Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live, et pas n'importe quel live, puisque c'est un live exceptionnel sur lequel on va couvrir, on espère, l'intégralité du rollout du SLS, du futur lanceur lunaire lourd américain de la NASA. Et je ne suis pas tout seul pour vous couvrir cet événement, je suis accompagné d'une personne très spéciale, je l'invite à se présenter. Salut, alors me présenter, tu pourrais me présenter quand même, mais salut, c'est Jérôme. Voir, c'est pour voir si certains t'auraient reconnu à la voix. Et oui, ça. L'ancien de la chaîne. Tout à fait, tout à fait. Le VIP, fait. N'est-ce pas? C'est ça. Comment vas-tu Jérôme, depuis tout ce temps? Ça va impec et toi? Bah écoute, nickel, super content parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, la sortie de cette fusée, qui est enfin assemblée. Qui est arrivé l'été dernier au VAB par plusieurs morceaux et qui maintenant est totalement assemblé et qui va sortir par le biais du crawler. On va vous présenter tout ce qui va se dérouler, vous inquiétez pas, on va présenter le lanceur. Il y a de quoi faire parce que le début de la diffusion de la prise d'antenne de la NASA va intervenir à 22h, donc on a encore 1h10 devant nous pour vous présenter tous les enjeux de ce lanceur, de la future mission Artemis 1. Comment va se dérouler le roulage, c'est-à-dire le transfert du VAB jusqu'au pad 39B du Kennedy Space Center. C'est en Floride, je ne l'ai pas précisé, mais on est sur la côte est américaine ce soir. Et bonsoir à tout notre chat qui est là, qui est bien présent ce soir, ça fait plaisir. Bonsoir à tous, hein, les habitués comme les nouveaux. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, donc ça fait plaisir. Je vais vous montrer juste dans quelques instants une petite vidéo bien sympa de Sebas, que je vous invite à aller suivre dans la description. Il nous a donné son autorisation, tout comme Space Intellige 3, qui nous ont donné leur avis favorable pour vous diffuser et bien leur contenu, pour vous montrer un peu comment ça va se passer en pratique ce roulage, et aussi vous présenter les caractéristiques du lanceur, mais ça on fera juste après. On va passer tout de suite. Je vais voir d'ailleurs si tout est bon dans ma scène avant de passer là-dessus. Je vais faire les choses bien. Voilà, hop. Ok, bon, je suis sur mon semblant de webcast, on va dire. Donc, c'est une vidéo de Sebas. Limite, je pense, Jérôme, je vais te partager mon écran, comme ça, tu arriveras à voir en même temps ce que je dis. Je pense que ce sera plus facile pour toi, pour que tu sois synchrone avec moi, pour aussi commenter ce qui va se passer. Je sais pas si tu l'avais déjà vu, cette vidéo, je crois que je vous l'avais déjà montré de façon à beaucoup. Oui, il me semble que je l'ai déjà vu. Hop. Mais c'est important pour contextualiser ce qui va se passer. Donc voilà, là on a le SL qui va sortir du VAB. Donc actuellement, on l'a tweeté tout à l'heure, le VAB il est ouvert, hein, ils ont ouvert toutes les portes. C'est un bâtiment qui est très haut les amis, puisque c'est un bâtiment qui accueillait à l'époque l'assemblage des Saturn V, des navettes spatiales. Faut savoir que la Saturn V, elle était 15 mètres plus haut que le SLS ici. Donc on a de quoi mettre le SLS bloc 1 facilement, vraiment. Donc voilà, on vous met ces images là par souci du fait que on a déjà des cams sur place, hein, type Hybrid Astronaut, Space Flight No, etc. Sauf que on n'a pas les droits, donc c'est pour ça qu'on vous diffuse ce genre d'images un peu de synthèse, mais qui vont vous donner tous les enjeux de la mission de ce soir, enfin de la mission, du roulage, parce qu'il n'y a pas de vol proprement parlé. Ça devrait arriver en mai les amis, ce premier vol inhabité d'Artemis 1. Ça va être magnifique. Là on voit du coup, actuellement on a les portes qui se font comme ça, je fais une petite pause. Actuellement, on a les portes qui sont ouvertes comme ça au KSC, enfin au VAB du Kennedy Space Center. J'ai plus le chiffre précis de la hauteur du VAB, mais il est immense. Je pense ce que je sais, c'est que, sachez-le, c'est le bâtiment à un étage le plus haut du monde, voilà, rien que ça, qui a été construit durant les années 60, donc au moment où John Fitzgerald Kennedy a dit son fameux discours d'Atlanta que il fallait que l'homme aille sur la Lune à la fin de cette décennie, et suite à ça, le VAB a été construit, les pads ont été construits, les installations ont été implantées, et donc voilà ce qu'il en est devenu, et actuellement le VAB il est comme ça, c'est juste que la fusée n'est toujours pas sortie. Grave le petit suite NASA les gars, j'étais obligé de mettre le suite NASA, j'étais obligé de le ramener celui-là. J'ai aussi un petit suite NASA ESA, parce que sachez que l'ESA participe à ce projet aussi, hein. Faut le savoir. Les gens sont contents de te retrouver, Jérôme. Hein, ça fait plaisir, Florence. Merci beaucoup. Salut. Les vieux souvenirs. Voilà, ce lanceur qui est quand même assez impressionnant. On va pas se mentir.
95 mètres de haut. On va tout vous détailler après, les amis, vous inquiétez pas. Mais déjà, rien que ça, c'est super. C'est vraiment magnifique. Franchement, j'aurais tellement voulu être là-bas sur place pour vous couvrir ça, les amis. Et je pense qu'une grosse partie de l'équipe aussi. Donc là, on retrouve les patchs ESA et NASA. Forcément, NASA qui est un peu plus mis en avant, parce que c'est quand même contributeur principal du projet. Sachez que c'est un lanceur qui coûte extrêmement cher au congrès. Hein. Chaque lancement va coûter 4 milliards de dollars. C'est ahurissant comme chiffre. Et c'est vrai que c'est une fusée qui a un petit peu un aspect rustique. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, mais on a l'impression de retrouver le réservoir des navettes spatiales de l'époque, sauf qu'on en ouais, un petit peu, c'est un peu nostalgique presque. Tout à fait. Donc là, vous voyez le crawler, à quoi ça ressemble, le crawler. Bon, vas-y, Jérôme. C'est pas tous les jours qu'il y a un véhicule de ce type qui sort du VAB, quoi. Donc là aussi, c'est historique, c'est un roll-out comme ça. Même le décollage qui va suivre, c'est quelque chose de. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, et le dernier roulage, je l'ai vu ce matin sur Twitter, il date de 2011, dernier vol de navette. Donc ça fait 11 ans qu'on n'a rien retiré du VAB, qu'on n'a rien extrait du VAB pour le transporter vers Apatir, pour l'acheminer vers Apatir. Donc c'est une... C'est une première dans la décennie déjà actuelle, et ça fait plaisir de revoir un lanceur de la NASA refouler ses voies mythiques. Carrément, il y a de quoi susciter des émotions pour ceux qui travaillent au Kennedy Space Center. Ouais, ils sont très très nombreux. À 4 milliards, vaut mieux pas faire comme ça. C'est clair, c'est clair, Pocho, c'est clair. Là, on a toutes les caractéristiques de Bayonaco, super. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce lanceur, il a plusieurs versions. Hein. Là, on va être sur la Block 1 ici, donc c'est la plus petite. Bon, la plus petite, c'est quand même... un beau bébé qui fait quand même 95 mètres. Il faut pas l'oublier. Voilà. Donc voilà comment ça va être acheminé concrètement. Et cette opération va prendre entre 6 et 12 heures, les amis. Voilà, je vous le dis direct d'emblée. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Hein. Vous êtes déjà tenu informé. Très beau lanceur déjà. Je pense qu'on va peut-être passer sur l'infographie juste après. Je vais juste terminer la vidéo parce qu'elle est quasi achevée. Mais voilà, ça vous montre à peu près ce qui va se dérouler ce soir, cette nuit. Pour nous, voilà, donc ça va être assez sympa, et on va attendre bien sûr la webcast de la NASA qui va nous parvenir dans 1h05 maintenant. Voilà, donc j'ai juste enlevé la petite pub bien pénible. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner maintenant, les amis, sur la miniature, et je vais vous montrer un petit truc, une belle infographie. Sachez qu'on a aussi, je fais un peu de promo, dans la description, une fiche technique sur le lanceur, mais qu'on va détailler avec Jérôme, parce que Jérôme, il a préparé ses petites fiches aussi. On a préparé de notre côté des petites infos supplémentaires, mais vous avez déjà un aperçu dans la description avec la fiche technique du SLS qui est disponible sur notre site vulgaspace.com. Si vous n'avez pas encore consulté, allez-y. Je vous y invite fortement si vous voulez vous intéresser sur ce lanceur, mais aussi d'autres lanceurs. Il y a tous les autres lanceurs du marché qui sont présents, excepté peut-être quelques-uns, mais franchement, on les a tous regroupés. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu vite fait en mode studio parce que j'ai pas ajouté cette image. Jérôme, si t'as des commentaires à faire, c'est le moment. Si t'as des choses à ajouter, qu'est-ce que toi ça te fait ? Est-ce que toi le SLS c'est un projet que tu. Disons le Artemis, en plus c'est vrai que ça fait partie du programme Artemis, donc c'est quand même tout un symbole. C'est un projet que. C'est un projet que je vais affectionner par rapport à d'autres parce que SLS c'est un projet moi qui me paraît solide, étudié depuis un petit moment déjà. Tu vois, donc c'est par la NASA directement en plus, c'est-à-dire que là on parle pas d'un Starship d'Elon Musk ou d'autres choses. Là on repart vraiment en plus sur une espèce de course à l'espace comme on avait à l'époque. Donc pareil, les Chinois eux de leur côté développent leur lanceur pour la Lune maintenant. Donc j'affectionne vraiment le projet, tu vois. Et Artemis, j'y crois, pardon de le dire, mais j'y crois toujours 100 fois plus que Starship par exemple. Voilà, c'est ça. Ok, très bien, c'est cool d'avoir ton avis. C'est vrai que, alors pour le coup, je suis d'accord avec toi sur le fait que le projet est beaucoup plus abouti actuellement que Starship, qui n'en est qu'à ses essais. Il y a encore des essais qui traînent maintenant à cause de l'AFA. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un projet qui est quand même solide à ce niveau-là. On a plus tendance à croire en la fiabilité d'un projet quand on sait qu'il est travaillé depuis déjà plusieurs années. Que Starship, c'est vrai que ça fleurit un petit peu comme ça d'un seul coup. Ça me paraît
un peu rapide peut-être, un mais peu du coup, bon, c'est vrai que par rapport à tout le new space qu'on entend ces derniers temps et tout, voir quelque chose de sortir du VAB, c'est quelque chose de nouveau en plus. Mais ça rappelle vraiment la course à l'espace, quoi. Donc non, c'est pour ça que je kiffe le SLS. C'est clair qu'à l'époque, en plus, c'était une course à l'espace, bon, vraiment purement géopolitique, entre deux superpuissances qui étaient les USA, les États-Unis et l'Union soviétique, l'URSS. Mais aujourd'hui, on a une course à l'espace plutôt privée-publique, mais un peu encore entre les nations, parce que maintenant, c'est vraiment la Chine un peu qui est devenue presque le rival numéro un des États-Unis, surtout quand on voit le nombre de lancements qu'ils font chaque année. C'est très impressionnant. Et voilà, là on vous a mis une petite infographie bien sympa, fournie par Space Intelligy 3. Son Twitter est en description, merci à lui de nous avoir permis de diffuser cette infographie, qui vous détaille tous les composants du lanceur, du SLS, qui quand même est une très très belle fusée. Moi je l'aime bien, c'est vrai qu'elle a un petit aspect rustique, mais ça fait son charme. Son jus, on va dire. Et moi, la conception en soi est relativement simple, je veux dire. Ouais. En tout cas, c'est des conceptions qu'on a déjà vues avant, c'est-à-dire des réservoirs d'oxygène liquide, d'hydrogène liquide, des boosters à poudre, et voilà. Tout à fait. Je vais détailler tout ça. Donc, au centre, vous avez le core stage, donc le corps central, le premier étage qu'on a vu être testé plusieurs fois, hein, notamment au centre Stennis, par le biais des 4 moteurs RS-25 qu'on retrouve au centre de l'image. Qui étaient les moteurs qui équipaient autrefois les navettes spatiales américaines, ils étaient 3, sauf qu'aujourd'hui ils sont au nombre de 4 sous cette fusée. Donc eux ils vont assurer la... Bah merci beaucoup Lucas pour ton don, merci beaucoup, le don qui pop, merci, salut, ça consiste à quoi ce lancement? On ne lance pas aujourd'hui Lucas, on va simplement transférer le lanceur de son bâtiment d'assemblage, le VAB, ou véhicule assembly building, jusqu'au pad LC-39B. Il n'y a pas de lancement ce soir. Le lancement, ça interviendra en avril ou mai. Mais je pense que c'est plutôt en mai, parce que la NASA a plusieurs fenêtres devant elle. Donc, je parlais des moteurs RS-25. Donc, c'est des moteurs qui brûlent, comme tu disais, Jérôme, de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide. On n'a pas de kérosène dans ce lanceur. C'est uniquement, on va dire, de la vapeur d'eau, même si, bon, c'est pas ultra propre, mais c'est déjà plus écologique, entre guillemets, que du méthane ou du kérosène. Donc ici, on a 4 moteurs RS-25. Donc, C-Level, donc c'est eux qui vont fournir la majorité de la poussée durant le vol atmosphérique, et même plus, hein, parce que c'est pas eux qui vont séparer les premiers, mais les SRB, donc les boosters d'appoint qui se trouvent sur les côtés, qui sont... à s'y méprendre quasiment les mêmes que ceux de la navette spatiale, mais on a ajouté un segment en plus. Et eux, c'est du propergol solide, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a allumé le carburant, on ne peut plus l'éteindre. Ça se consomme dans les réservoirs, et une fois que c'est consommé, on s'en débarrasse. C'est une masse morte, on les sépare du lanceur. Donc c'est des CRB, je pense. Ce sont eux qui fournissent la majeure partie de la poussée au lancement, accompagné des RS-25 qui chacun fournissent 1680 kN de poussée. Donc ce qui nous fait quand même un premier étage qui nous envoie quand même 38,3 MN. C'est une fusée super lourde pour le coup, parce qu'il me semble qu'elle dépasse allègrement une Falcon Heavy, elle dépasse une Falcon 9. Elle est derrière le Starship, et je crois qu'elle est même un poil devant la Saturn 5, mais je veux pas me tromper, mais en tout cas avec la N1, c'est les 4 lanceurs les plus puissants de l'histoire. Au-dessus de ce premier étage, on a un second étage qui s'appelle l'ILCPS, qui est d'ailleurs en fait qui repose sur une base d'une Delta 4 Heavy du LA, du United Launch Alliance, et qui possède un moteur optimisé pour le vide, donc pour ça qui est marqué vacuum, avec une tuyère plus grande, le RL-10B2, qui lui aussi brûle de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide, et qui fournit 110 kN de poussée, donc c'est largement suffisant pour partir certaines. Possiblement en injection translunaire, donc s'affranchir de la gravitation terrestre et se diriger vers la Lune, vers l'orbite lunaire. Et au-dessus de tout ça, on a une capsule qu'on retrouve à gauche, la capsule Orion, qui va emmener un équipage, pas cette année, mais dans l'émission future, qui emmènera les équipages d'astronautes en orbite lunaire, vers la station en orbite lunaire, la LOPG ou la Gateway. Et cette capsule Orion, elle est alimentée par un module de service qui, Coco Eco, est européen, qui s'appelle l'ESM, le European Service Module. Et voilà. Et pour en tout cas, la première mission qui sera inhabitée cette année effectuera pour rappel un voyage de 25 jours en orbite rétrograde autour de la Lune. Donc voilà, j'ai à peu près bien résumé, je pense,
les caractéristiques de ce lanceur. Et bien sûr, au sommet, on a une tour de sauvetage qui permet de d'évacuer, d'éjecter rapidement s'il y avait une avarie sur le lanceur, et bien l'équipage et sa capsule. Et voilà, et ça on en avait un peu parlé dans les posts Insta, hein, justement, de tout ce système de sauvetage, comment il est conçu. Je vous invite à aller nous suivre sur Instagram, Vulgaspace underscore YouTube, où vous retrouverez eh bien, un peu les coulisses des tests qui avaient eu lieu précédemment. Mais le premier test 100% assemblé, inhabité, il aura lieu en avril ou en mai, donc on a hâte de voir ce lancement. Moi j'ai hâte, ça va changer de tout ce qu'on voit actuellement, et ça fait pas de mal. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. non, les boosters sont pas récupérés, Chris. Alors, les boosters, je sais pas. Parce que je sais qu'à l'époque de la navette, ils retournaient les boosters pour les récupérer ensuite en mer. Donc, possiblement, ils iront les récupérer. Mais je pense que ce sera les seuls éléments de récupérer, malheureusement, de ce lanceur. Voilà. Est-ce que la tuyère du second étage se déplie? Non, pour moi, elle reste fixe. Hein. C'est pas censé se déployer. Les Chinois mettent les bouchées doubles pour être les premiers du 21e siècle à poser les pieds sur la Lune pendant que le programme Artemis est ralenti faute de budget. Ouais. C'est clair, c'est clair. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent d'ailleurs. Hein. Encore un nouveau. Merci à vous d'être présents. Ils ont les RS-25. Je pense qu'il me semble qu'ils ont récupéré des RS-25 d'anciennes navettes. Ils ont dû réinspecter évidemment, refaire un check-up complet. Mais c'est les mêmes moteurs que fournissait Rocketdyne à l'époque pour les navettes spatiales. C'est juste qu'on en ajoute un à chaque fois par lancement, quoi. Combien de personnes pour l'équipage? Bonne question. Bonne question, je pense que ça va être 4 ou 5. Mais Orion n'est pas une capsule très grande. Hein. Donc il faudra pas non plus mettre. Il ne faudra pas non plus saturer la capsule en membre d'équipage. Mais ça je peux essayer de me renseigner pour trouver l'info. Là je t'avoue que je l'ai pas sur moi, mais je pense que c'est entre 4 et 6 astronautes. Par capsule, par voyage. Je vais regarder ça tranquillement si je retrouve. N'hésitez pas à poser vos questions en tout cas. Je vais regarder s'il y en a eu d'autres qui sont passés que j'ai pas vu entre temps. La partie orange, c'est l'équivalent de la partie orange avec l'époque des navettes. Tout à fait. On appelle ça le réservoir. Alors, j'aurais voulu vous montrer une image, mais je vais éviter de la diffuser parce que j'ai pas demandé les droits pour cette vidéo et j'ai pas envie de me faire claim ou quoi. Mais je vais essayer de vous, mais je vais vous dire à peu près où se trouve chaque réservoir, parce que du coup, bah, tout est masqué, c'est un peu dommage, mais c'est ce qui fait bien les choses, c'est qu'on voit pas évidemment les réservoirs, ils sont à l'intérieur de ces grosses parties. Mais je vais essayer de vous retrouver ça rapidement. Hop. Je pense que je vais peut-être même vous mettre une photo à droite. Jérôme, t'avais peut-être quelque chose à dire. Oui, alors justement, en parlant de réservoir, je voulais préciser que je suis pas tout seul en fait ce soir, je suis avec une amie à moi, fidèle de la chaîne, qui parle dans le chat ce soir, c'est Lauriane. Bonsoir Lauriane. Bonsoir, bonsoir Alex, bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Salut Lauriane. Alors, juste un petit quelque chose, Lauriane, avec une question pertinente je trouve à poser à propos de ces réservoirs, de la façon dont ils vont fournir la poussée et dont ils vont être transférés d'un endroit à l'autre de la fusée. Alors, ma question est, comment l'oxygène liquide et l'hydrogène liquide fournissent la poussée? Ouais, tu nous poses une... tu l'as déjà posé, Lauriane. Ouais, tout à fait. Comment ils fournissent la poussée? Bah, ils se retrouvent dans une chambre de combustion. À un moment donné, les deux carburants, les deux éléments vont se mélanger, se retrouver dans une seule partie pour, et puis ensuite être brûlé dans une chambre de combustion, on appelle ça dans le moteur, pour que le moteur soit mis en action derrière et fournisse une poussée suffisante pour faire décoller le lanceur, tout simplement par action de action-réaction, tout simplement. Voilà. Pour que la masse au décollage, la poussée, soit supérieure à la masse du lanceur en lui-même, pour qu'il décolle et s'affranchisse de la gravité. Mais après, il y a des parties plus techniques pour lesquelles on peut rentrer dans le détail, et on a largement le temps de rentrer dans le détail, du coup. Ouais. Alors justement, il y avait une autre petite question qui était un petit peu rattachée à ça. Je te laisse la poser, Lauriane. Alors, la deuxième question, comment l'oxygène est amené jusque dans la chambre de combustion? Là, c'est plus compliqué, Lauriane. Mais non, mais il y a certainement des valves, des pompes qui acheminent
l'oxygène liquide et aussi l'hydrogène liquide. Hein. En plus, ce qu'on voit, d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est une bonne question, parce que ce qui est important à savoir ici, c'est qu'au niveau des réservoirs, là j'ai la visu des réservoirs en bas. Donc c'est-à-dire entre la partie blanche que vous voyez qui contient les moteurs en dessous et l'interstate, je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est une sorte de quadrillé jaune qu'on a entre les deux niveaux. Eh bien, il y a un tuyau qui relie ces deux parties, puisqu'en haut, on a le réservoir d'oxygène liquide, en dessous, on a le réservoir d'hydrogène liquide, et le tout, en fait, l'oxygène liquide est apporté dans ce qu'on appelle certainement un dôme commun, un peu l'image de ce qu'on voit avec le Starship, qui ensuite rejoignent tous les chambres de combustion des quatre moteurs respectifs pour être alimentés suffisamment. Et on a même les moteurs qui se refroidissent par l'extérieur des tuyères. On avait déjà ça sur les moteurs F1 des Saturn V, qui permettent d'éviter un surplus de chaleur, parce que tout ça, finalement, ça génère beaucoup de chaleur, et ça peut poser des risques de chauffe trop rapide, et on atténue ça avec un système situé sur les RS-25. Si vous avez vu les tirs statiques des RS-25, vous en êtes sans doute rendu compte de cet aspect-là. Le propre, nickel. Voilà. J'ai beaucoup de réponses, Alex, parce que tu creuses vachement le sujet en plus. Oui, derrière. Puis j'apporte des choses qui font qu'en fait, on voit du début à la fin comment ça se déroule. Après, j'ai pas toutes les parties techniques. Je suis pas ingénieur dans l'aérospatiale. Il y a encore beaucoup de choses à apporter et il y a des chaînes qui sont aussi très bien qualifiées dans la matière. Mais j'essaie, avec mes mots, avec mes connaissances acquises, de vous donner les clés, on va dire. Mais bien joué, parce que je sais en plus que c'était une question qui apparaissait pas très souvent, et les peu de personnes qui l'ont posé devaient peut-être se sentir frustrées que on n'en ait pas vraiment parlé, mais c'est vrai que ça fait du bien de le savoir. Merci Lauriane pour tes questions, si t'en as d'autres, n'hésite pas à nous les poser. Merci Alex de ta réponse très pertinente, j'ai tout compris. Super. Moi je vais essayer de retrouver quand même, les amis, à la place de l'animation qu'on a derrière moi, je vais vous mettre une photo des dernières photos qu'on a du SLS pour vous montrer à quoi il ressemble dans la réalité. Il n'est pas tout aussi orange partout, c'est pas uniforme, mais il est quand même très très grand, très imposant, et je vais vous montrer tout ça. J'ai essayé de trouver une image quand même bien sympa. Moi, ce que j'aime en plus, c'est qu'ils ont mis les logos Warm NASA sur les boosters, et ça en jette quand même. C'est un peu le même logo qu'on retrouve notamment sur les Falcon 9 de SpaceX pour le transport des équipages vers l'ISS. Chaque fois qu'il y a des missions en Crew Dragon vers l'ISS, je précise, parce qu'il y a aussi des missions Crew Dragon privées, hein, comme Axiom 1 qui arrive ou comme Inspiration 4 à l'époque. On a plusieurs types de missions. J'essaie de vous retrouver ça, mais c'est pas facile, les amis. Hop. C'est compliqué d'en trouver une où le SLS est vraiment complet. Puis de toute façon, comme il n'est pas encore sorti de son bâtiment, c'est assez difficile. Hop. S'il y a une question dans le chat qui est posée, n'hésitez pas à intervenir, hein, messieurs, dames. Le Starship Luna sera-t-il prêt pour 2025? On espère. Déjà, faut qu'il réussisse le vol orbital. C'est pas encore fait. Actuellement, même ce soir, il devrait y avoir un test cryogénique poussé pour les deux prototypes S20 et B4 qui sont empilés l'un sur l'autre. Hier, il y en a déjà eu un, mais avec du LN2, c'est-à-dire du nitrogène liquide, qui est beaucoup moins risqué que du méthane ou du LOX, si jamais il y avait explosion ou quoi, ou implosion ou rupture des réservoirs. Ils ont effectué déjà un test hier avec les deux prototypes, et prochain test normalement ce soir, cette nuit, il y a une fermeture de route, donc on verra bien. On verra bien ce qui va se passer, mais 2025, j'espère que tout sera prêt, parce qu'il va falloir évidemment un atterrisseur lunaire pour faire la jonction entre la LOPG et la surface de notre satellite. Donc c'est quand même important qu'il ait lieu, sinon les astronautes ne pourront pas refouler la surface lunaire à temps, quoi. Il y a déjà un peu de retard avec les combinaisons, etc. Donc voilà. Quel est le but de SLS? Alors SLS va envoyer la capsule Orion, que tu vois à gauche de ton écran, qui va acheminer les astronautes vers l'orbite lunaire. Et ensuite, une fois l'orbite lunaire atteinte, le Starship qui sera docké à la LOPG, donc amarré à la LOPG, va, comme je l'ai dit, faire la jonction, donc il va emporter les astronautes, enfin, les astronautes vont être transférés de la LOPG jusqu'au Starship lunaire, et le Starship lunaire va descendre sur la surface lunaire. C'est un peu, le Starship joue un peu le rôle de LEM, mais XXL, quoi, très très gros. Très très gros, et qui a une meilleure capacité d'emport d'équipage et surtout de fret.
pour la Lune. Hop. J'essaie de vous trouver une belle photo, les amis, mais il n'y en a pas beaucoup. Je sais comment je vais vous trouver ça. Je sais comment je vais vous trouver ça. Tac. Non, Eto. Non, c'est à 22h le live NASA. Est-ce que ça se trouve peut-être qu'il y a déjà un live NASA qui a commencé sans que je le voie. Non, c'est dans 48 minutes. On a d'autres images actuellement de d'autres youtubeurs, mais pour lesquels on n'a pas les droits. Et c'est pour ça qu'on ne vous les diffuse pas, mais dès qu'on aura les droits, comptez sur nous. Enfin, dès qu'on aura les images, comptez sur nous pour les diffuser. Est-ce que je peux avoir l'image que je désire ? Là, on a plusieurs images. Ah bah, on en a une qui est complète, là. C'est quand même plutôt sympa. Je vais vous mettre celle-ci, les amis. Hop, c'est bon, j'ai trouvé l'image, je me suis décidé. C'est celle déjà envoyée ? Non, du tout. Elle va être envoyée en morceaux par différents lanceurs, dont le SLS qu'on voit là, mais qui a aussi une version cargo avec une coiffe pour porter des charges utiles. Il y aura la Falcon Heavy qui participera aussi. Alors, ces deux modules que sont... PPE et Halo, donc des modules de propulsion et d'habitat de la LOPG. Et on aura aussi d'autres lancements. Je crois qu'Ariane 6 aussi va intervenir dans là-dedans, dans ce programme. Peut-être Vulcan, mais pas sûr pour Vulcan. Mais on a plusieurs lanceurs qui vont intervenir pour construire cette station d'orbite lunaire. Ça va pas se construire d'un seul coup. Hein. Regardez l'ISS, on a mis des années à la construire. Puisque, évidemment, bah, on avait la navette qui participait, on avait d'autres. On avait la navette, on avait les fusées Proton russes. On n'a pas envoyé la station en une seule fois. Alors, je vais mettre en mode studio juste pour vous ajouter l'image que je souhaitais vous ajouter, les amis. Hop. Tac. La belle image du SLS qu'on veut voir. Voir comment il est actuellement dans le VAB, hein, puisqu'il est encore dans le VAB à l'heure actuelle. Il n'est pas sorti du bâtiment d'assemblage. Je vais vous le mettre derrière moi, je pense. Hop là, c'est parfait, là, nous le mettre comme ça. Est-ce que on voit encore ma tête? Ouais, on la voit encore. Bon, ok, je vais peut-être réduire un chouï. Hop. Et ce que je voudrais, c'est par contre mettre ça devant, si possible. Et bah mince. Attendez les amis, je règle un petit détail. Tu t'en sors ? Non. Non, non, je m'en sors pas. Bah s'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à me les relayer, hein, les amis. J'y répondrai. T'inquiète, t'inquiète, je suis à l'affût. Ah ok, j'ai retrouvé ce que je voulais retrouver. Du coup, est-ce que... Alors pas forcément, pas exactement. Question de BMTech. Enfin, de la même façon. Je pense qu'on va essayer de reproduire ce qui a bien marché dans l'ISS et corriger ce qui s'est un peu moins bien passé. Mais je pense que les missions seront peut-être. Je pense que les missions seront peut-être moins longues du fait qu'on est quand même plus loin. On est peut-être. Enfin, je pense qu'on est quasi totalement affranchi pour le coup du bouclier magnétique terrestre. Hein. Par rapport aux effets des radiations, etc. Donc je pense que ce seront des missions plus courtes que les missions de longue durée à bord de l'ISS, mais je pense que ce seront surtout des missions où on ira vraiment à terme sur la surface lunaire, préparer une base entre guillemets, tâter le terrain, récolter encore des échantillons, etc. etc. Donc des missions plus courtes mais plus intenses, je pense, dans leur déroulement. Et alors, pour pousser un petit peu la question, un équipage permanent, je pense pas que ce soit envisageable. Je pense pas non plus. Je pense qu'il y aura des rotations très régulières. Où, tu veux dire que pour tout. Ouais. Quand tu dis permanent, c'est-à-dire tenir l'ILOPG tout le temps avec quelqu'un dedans, avec des équipages dedans. Ouais, c'est ça. Un équipage permanent, vraiment. Dans le... Pas quelqu'un, toujours la même personne qui reste à l'intérieur, mais des relais, comme tu dis, comme pour l'ISS, où il y a toujours quelqu'un dedans. Ça, bonne question. Moi, je pense pas. Je pense pas parce que je pense pas non parce plus. Que pour ravitailler une station d'orbite lunaire, c'est plus compliqué que de ravitailler l'ISS. Ouais. Déjà, il faudra ravitailler en vivre. Ouais. En vivre, en fret, en nourriture, comme tu dis, l'eau, les astronautes. Et ça sera plus périlleux de le faire effectivement dans l'orbite lunaire que de le faire en orbite basse terrestre. Donc,
Plus coûteux aussi. Et plus coûteux. Parce que ça sera plus cher d'envoyer une masse vers la Lune que la proche banlieue terrestre. Ouais. Donc là, vous voyez le SLS derrière moi, les amis. Voilà. Je vais t'enlever vite fait ma tête pour que vous la contempliez. Bah voilà, les deux boosters à la base. Tout en haut, la tour de sauvetage, on descend vers la coiffe, le carénage qui protège la capsule. En dessous, un autre carénage, une autre coiffe qui protège le module de service et... Le moteur de propulsion du module de service de la capsule. Et en dessous, la partie supérieure du second étage, puisque la partie inférieure avec les moteurs est cachée dans la partie conique, qui est en forme de cône orange. Et en dessous, vous avez le main stage, donc le core stage, l'étage principal, central, en orange. Et les deux gros boosters, les deux SRB, les deux boosters à poudre. Voilà, donc ça c'était une vue dans le bâtiment d'assemblage qui date... qui date du 16 mars, voilà, c'est une photo qui a été prise hier. Et j'en ai pas malheureusement d'autres, enfin je peux en avoir d'autres à vous montrer, mais celle-là est clairement la plus représentative. Je pense qu'on va peut-être enlever l'infographie, elle a plus trop lieu d'être. Je pense que vous avez assez compris les enjeux, les amis, de toute façon, de ce soir. Salut Ryzen, en effet c'est bien ma voix, tu ne t'es pas trompé. C'est bien Jérôme. Voilà, c'est bien Jérôme, les amis. Tac. Ah, t'as une question en anglais, Alex. Ah, ça doit être Steven, non? Ah non? Oui. Hi, Steven. Alex, I have two batches for this program. You know the meaning of... J'ai pas compris. I didn't understand, Steven. I will translate. When I can, I will translate. Don't worry about this. Mais... voilà, je vous ai refait une petite vue plutôt sympa en attendant qu'on ait les fameuses vues en direct. Voilà, bon, je pense qu'on est plutôt bon. Voilà, là on va être bon. Avec le SLS en train d'être transféré et le SLS à l'heure actuelle dans son VAB. Salut Chris, un grand plaisir de savoir là depuis le temps. Bah oui, Chris d'Albi. Ça part à quelle heure ? Salut. Il n'y aura pas de décollage, mais ça va normalement être. On aura un flux à 22h de la NASA, et ça te disait. Pour moi, c'est 22h que ça sort du VAB, mais d'autres disaient 23h. Donc on verra. La LOPG sera en partie non occupée, ouais. Moi, c'est ce que je me disais aussi, parce que ça a coûté beaucoup d'argent d'envoyer des équipages, des cargos vers la station. Donc ils se concentreront vraiment sur chaque mission du programme et fin, quoi. Date de prévu pour un premier lancement de test. Alors, déjà, après ce qu'on va voir là, il va y avoir ce qu'on appelle un WDR, donc, c'est-à-dire une répétition générale d'avant-lancement. WDR, ça signifie Red Dress Rehearsal en anglais. Donc, quand on dit répétition d'avant-lancement, c'est-à-dire qu'on remplit les réservoirs à fond, on met le lanceur en condition comme si elle était parée à partir. Pour voir si tous les systèmes répondent, il y a d'autres essais qui doivent être effectués. Et d'ailleurs, vous mettez la puce à l'oreille sur les tests qui restent à compléter. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer la fiche aussi. Bonne remarque de celui qui a posé la question. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va vous permettre un peu de meubler encore en attendant d'avoir la webcast. Est-ce que j'ai la mission Artemis Programme? Voilà, c'est ça que je voudrais vous montrer. Et ça, c'est quand même très important parce que c'est ce qui va conditionner la suite hein, du programme ou non. Donc j'espère évidemment que ça se fera, mais c'est quand même essentiel. J'essaie de voir où ils en étaient. Alors, sur quelle distance le rollout on avait calculé autrefois, Alex? C'était pas 5 ou 6 km? 5,5 km. Ouais, ce qui sépare, c'est la distance qui sépare. Ce qui serait peut-être pas mal aussi, c'est de vous montrer une petite vue Google Maps aussi. Je vais essayer de vous montrer ça, les amis. Ça peut être intéressant. Bonne remarque, encore une fois. Non, vous avez des remarques très, très pertinentes, tout le monde, là. Donc, c'est quand même cool. Ça nous permet à chaque fois d'enchaîner de sujet à sujet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez. Je vais me mettre en vue satellite. Hop. Et je vais essayer de vous faire un truc plutôt sympa. Alors,
Jérôme, s'il y a des questions, n'hésite pas à m'interpeller. Je suis en train de faire un petit changement dans mon logiciel. T'inquiète. Alors, Nono, pour répondre à la question, le rollout aura lieu, donc enfin, ça, c'est sur 5 ou 5,5 km. Ouais. C'est la distance qui sépare le VAB du pad 39B. Et que le crawler est très lent aussi. Il a une vitesse très lente qui fait que bah, ça prend beaucoup de temps d'acheminer ce lanceur vers le pad de tir. Mais c'est aussi la vitesse, on avait essayé de la trouver l'autre fois, la vitesse, mais je crois qu'on avait eu du mal, on n'avait pas... Ouais, moi j'avais pas trouvé, mais je pense que c'est un ou deux, enfin, même pas un miles par heure, un truc comme ça, hein. Je pense que c'est ça. Ouais, ça tient, je pense, entre 1 et 5 km/h, pas plus. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes, elles se relaient, hein, pour transporter le lanceur. Je pense que c'est pas toujours la même personne qui pilote le crawler. Il y a plusieurs personnes qui sont aussi aux alentours, comme on a vu dans la vidéo de démonstration que je vous ai montré au début. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont se tenir autour pour sécuriser la zone et faire en sorte que le crawler reste bien dans ses voies, on va dire, pour accéder au pas de tir à la fin. Je fais une petite capture de fenêtre, je pense, pour vous montrer le chemin. Le chemin que ça représente. Hop. Tac. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Tac. De toute façon, il faut que ça tienne dans l'overlay, donc je vais pas avoir le choix que de hop, faire comme ça. Voilà, super. Là, en plus, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais mettre ma petite tête juste là. Et voilà. Là, je vais pouvoir vous montrer, les amis, de quoi il en ressort. Donc là, on a une vue Google Maps de Floride, tout simplement. Et en fait, actuellement, eh bien, le SLS se tient ici. Concrètement, dans le véhicule Assembly Building. Il va partir de là. Hein. Le crawler part d'ici. Il se tient. La porte qui est ici, c'est celle qui... par laquelle va sortir le celle-là ou celle-là. Il faut que je me confirme la chose, mais en tout cas sachez que ça va sortir d'ici. Je pense que c'est plutôt de cette porte-là que ça va sortir, mais bon, on va voir. Et ensuite, il va emprunter tout ce chemin, le crawler, à travers les marécages de Floride, parce que je vous rappelle que c'est une zone protégée, une réserve naturelle. Et il va tourner ensuite ici. Je vais vous expliquer pourquoi il tourne là, pour se diriger vers, eh bien, le pad 39B qu'on voit ici, voilà, qui est au plus loin, et qui a déjà été réhabilité pour accueillir le SLS. Il va plus loin parce que, en fait, il y a un autre pad, sachez-le, au KE Space Center, c'est le pad 39A qui est loué par SpaceX, vous le savez, depuis lequel l'entreprise tire des Falcon 9, des Falcon Heavy, et bientôt un Starship, puisque le pad est en construction à l'heure actuelle. Et le pad 39A, c'est quand même un pad mythique duquel on a lancé des missions vers la Lune, les missions Apollo, les missions à bord de navette spatiale. Et voilà, et puis on a même déjà aussi le hangar de SpaceX qui est carrément là. Eux, ils ont carrément un hangar au pied du pad de tir, ils sont plutôt bien, contrairement à la NASA, qui doit effectuer tout ce trajet pour se retrouver au pad. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant comme distance à effectuer. Ouais. Alors, pour répondre à la question de JP, Lauriane me fait lui dire que, en fait, comme la station lunaire, elle sera en orbite autour de la Lune et qu'il n'y a pas d'atmosphère, en orbite, cette station ne sera pas freinée par l'atmosphère. Elle sera freinée par rien du tout, en fait. Donc, il n'y aura pas besoin de faire de correction de trajectoire pour rehausser son orbite. Au cas de l'ISS où, elle, il faut régulièrement rehausser son orbite parce qu'il y a une atmosphère résiduelle qui va freiner la station, qui va faire qu'elle va petit à petit, elle va descendre. C'est ça. Et il faut pas. C'est ça. En fait, l'orbite lunaire sera sous une forme de halo, c'est-à-dire, je sais pas comment on peut décrire, mais forme de halo allongé. Ça sera pas une orbite parfaitement circulaire autour de la Lune, mais une orbite de cette typologie-là que je vous ai décrite juste avant. Donc rien à voir avec l'ISS qui a une orbite inclinée, ça considérée qui est quasi parfaitement circulaire. Voilà. Je vais essayer de me retrouver moi rapidement pour savoir de quelle porte ça sort, parce que c'est une question qui me turlupine, comme on dit. Et après, je vais essayer de vous retrouver les derniers tests que doit conduire le SLS, en fait, avant d'être approuvé pour être go pour le lancement, hein, pour pouvoir lancer tout simplement.
Alors ouais, j'ai Eto qui m'a envoyé des vidéos en plus pour montrer, mais les amis, j'ai pas les droits pour vous montrer ça. Bon, je pense qu'on pourrait peut-être pouvoir les montrer quand même, parce que je vais vous les montrer. Je vais vous montrer une première vidéo qui vous montre, en fait, tout simplement les réservoirs du SLS, comment ça fonctionne à l'intérieur du SLS. Je vais vous montrer ça tout de suite, les amis. Ne bougez pas. Je vais retourner sur ce que je montrais, sur ce que je montrais avant, pour faire une petite transition. Hop. Tac. Et moi, je vais aller chercher le lien qu'on m'a envoyé. Merci et tout, en tout cas. Bon, de toute façon, je créditerai toutes les personnes, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hop. J'ai le fameux En gros, lien. David Pilar demande, ils mettront combien de temps pour aller sur l'orbite lunaire dans le futur? Est-ce que tu as une idée, Alex? Combien de temps pour arriver en orbite lunaire? Oh, je pense pas, ce sera similaire à mon avis à Apollo, hein. C'était 6-7 jours, non? Pour aller en orbite lunaire, non? Ou c'était moins? C'était moins, je Trois, pense. le trajet donc depuis l'ingestion translunaire jusqu'à l'orbite lunaire, je crois que c'était 3 jours. C'est 3 jours. Je pense que moi, j'ai compté l'aller-retour, en fait. C'est Ouais, trois tac. jours. C'est 3 jours pour y aller, 3 jours pour revenir. Je vais juste faire autre chose, en fait. Je vais masquer ce que je fais là. Après, c'est la trajectoire qui veut ça, c'est pas en fonction du lanceur, c'est vraiment la trajectoire qui fait qu'on met tant de temps pour aller d'un endroit à un autre. Ouais, c'est ça. Tout Et à peu fait. importe le lanceur, si on veut aller sur la Lune, il faudra emprunter, je pense, sensiblement la même trajectoire. Je vais vous récupérer le lien autrement. Je vais me débrouiller comme ça. Et donc c'est une vidéo qui va vous montrer, les amis, l'intérieur du décor, de comment ça se déroule. Tout simplement. Bon, j'ai une petite pub qui est un peu relou. Hop. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et en plus, c'est très réaliste. On a vraiment l'impression que le SLS va rejoindre son pas de tir, alors que pas du tout. C'est une animation 3D. Hop. Je suis sur la scène en question et je vous laisse profiter de ces images qui sont quand même assez sympas. Je crois que je t'avais montré aussi cette animation, Jérôme, mais je suis pas sûr. On voit en fait le SLS qui concrètement arrive à son pad. Et ils vont tout enlever derrière pour pouvoir montrer la part belle au réservoir et tout ce que cache ce lanceur. Je te l'avais déjà montré de toute façon cette vidéo, je m'en souviens. Oui, je l'avais vu. Donc, franchement, c'est extrêmement bien fait. Hein. Pour le coup, cette animation, elle nous vient de Asgreyhart, très très gros animateur 3D. Bah, si c'est celle que je pense, ça a vraiment le mérite d'expliquer visuellement comment c'est conçu. Ouais, Ou tout comment à est fait. réparti, en tout cas, déjà le carburant à l'intérieur. C'est ça, la C'est un carburant. répartition des carburants, répartition des masses dans les réservoirs. Donc là, bon, là, on enlève, entre guillemets, on déshabille le lanceur. J'aime pas trop dire ce terme, mais c'est concrètement ce qui se passe. Et voilà, donc là on a enlevé tout le core stage. Salut en tout cas à Quentin et Pablo, nos admins Modo respectivement. Là on enlève tout, 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 Salut tout. les gars. Non, c'est pas du réel, c'est vrai que cette animation est incroyable. Hein, pour le coup. Donc là ça fait la part belle au réservoir. Là on voit les deux réservoirs, les amis. Je fais une petite pause. On voit les réservoirs. Donc en bas on a le réservoir d'hydrogène liquide qui est énorme. Et au-dessus, le réservoir d'oxygène liquide. Au-dessus, on aperçoit brièvement la tuyère du second étage, donc du moteur qu'on vous a décrit juste avant. Le second étage, donc l'ILCPS, surplombé. Derrière, au-dessus, bah, par l'ESM, donc le module de service européen Orion, et la tour de sauvetage. Donc, c'est assez impressionnant. Et donc là, ils vont remplir. Là, on va voir le. Là, on enlève aussi les parties pour les SRV, hein, donc qui sont à propergol solide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on allume ces moteurs ces moteurs des SRV, ces boosters, eh bien, on ne peut plus les éteindre. C'est une seule activation et arrêt au moment où on a tout purgé, tout vidé dans les réservoirs.
Et là, vous voyez, on remplit. Tout bêtement, en orange, vous avez l'hydrogène liquide. Et en bleu, le LOX, donc l'oxygène liquide. Et on voit justement ce que je vous expliquais tout à l'heure, le conduit bleu en fait qui va acheminer l'oxygène liquide jusqu'à la chambre de combustion, donc au dôme commun des, à la base du premier étage. Et vous avez même, vous avez même les réservoirs juste avant, on avait une petite image intéressante, on a juste avant les réservoirs plus haut du second étage. Et vous voyez que c'est disposé autrement, c'est-à-dire que au premier étage on avait l'hydrogène liquide en bas, le LOX en haut. Et là on inverse, on met le LOX en bas et l'hydrogène liquide en haut. Pour le second étage, donc voilà, c'est assez différent, mais ça ne change pas grand chose. On répartit toujours plus de d'hydrogène liquide en comparaison avec le LOX. Donc là, une fois que le remplissage a été effectué, on enlève tous les bras de ravitaillement, on appelle ça les QD, coup de disconnect. Et ensuite, bah, la fusée s'élance tout simplement, comme tout lancement qu'on couvre ici. Et voilà, et là c'est parti, lancement du mastodonte. Donc ça c'est ce qu'on verra plus tard dans l'année, hein, courant avril ou mai, par là. Et ça sera très impressionnant, vraiment ce jour-là ça va être incroyable. Quentin qui vous explique qu'il n'y aura pas de frottement atmosphérique résiduel sur la Lune ou sinon ils sont négligeables, mais l'orbite halo de la LOPG pourra nécessiter des corrections. On verra avec la mission Capstone. Capstone, en fait, qui va être une mission lancée par Rocket Lab, qui va consister à envoyer un démonstrateur d'orbite en orbite lunaire, justement pour voir si l'orbite de la LOPG sera conforme aux attentes des ingénieurs. Et mesura ses paramètres, ouais, tout à fait aussi, tout à fait. Donc voilà, après là, c'est lancement, on consomme tout ce qu'on a à consommer. Et là ça explose. Non, on va quand même pas le souhaiter, Pablo, parce que vu le coût du lancement là, si tu veux, on va éviter. Tu penses qu'on aura une cape sur le lanceur? Bah, on en avait sur les navettes spatiales, donc je comprends pas pourquoi il n'y en aurait pas. Ce serait vraiment une régression de la part de la NASA. C'est quand même, là, c'est quand même impressionnant, on voit tous les fluides, tout le comportement. Et là, ouais, séparation des SRB, on sépare les boosters à la même manière qu'ils étaient séparés pour les navettes. Et là, on a encore les 4 RS-25 qui fonctionnent à plein régime. Donc là, ça fait déjà bizarre, hein, quand on enlève les boosters du lanceur. C'est pas le même lanceur. Là, on enlève les carénages au niveau de la capsule. On éjecte la tour de sauvetage. L'œil de la NASA a commencé. Ah bon ? Non, bah, je vais regarder ça. Je vais regarder ça, les amis, si ça a commencé. Non. Ça commence dans 25 minutes. Donc ça, c'est une fois qu'on est arrivé en... Bah, qu'on a coupé le premier étage, vous voyez que les réservoirs sont totalement vides. On a coupé les moteurs et les S25, donc Miko. Et on sépare le second étage qui s'en va vers l'orbite lunaire. C'est quand même très très joli. Alors, JP, si je m'étais posé la même question, mais du coup, elle va rester... plusieurs semaines sur le pas de tir, la fusée, enfin le lanceur. Oui. Pour faire tous les tests dont je vous parlais, répétition générale d'un relancement, remplissage, certainement tir statique, test de résistance, etc. Elle sera soumise à de nombreux tests pour vérifier que tout est conforme et qu'elle est apte à être, elle est parée au lancement, quoi, tout simplement. Donc voilà, peut-être une petite autre petite vidéo que j'ai trouvée, enfin que en tout cas, mon cher Eto m'a trouvé. Merci Eto. Où on voit. Ouais, mais qui est très bien parce qu'elle mérite vraiment d'expliquer comment ça fonctionne. Là, on a vraiment vu. Là, c'est clairement, ça nous montre à la fois un peu le rollout, la fin du rollout, et surtout ce qui va se passer le jour du lancement. Ouais. On va tout remplir, lancer et toutes les étapes qui vont succéder pour acheminer la capsule Orion vers l'orbite lunaire. Je vais vous mettre une autre vidéo cette fois. Hop. Bon, j'ai une super pub, on adore. J'ai une super pub pour laquelle je vais pas mettre de son parce que concrètement on s'en fiche. Elle est plus résistante que Starliner. Tu parles de la capsule Orion, Pablo? Donc là vous avez. Bon, je vais peut-être éviter de mettre la musique par contre. Là on avait une vidéo en fait où ils testaient la séparation, c'est-à-dire toutes les rétractations des bras de ravitaillement, donc les QD qu'on appelle, hein, vous voyez, qui ravitaillent le SLS, qui l'approvisionne en,
en ergol. Donc là, je pense qu'en haut, c'est le, bah, c'est ce qui va. Ah, c'est cette partie-là, je pense que c'est celle qui approvisionne en LOX, certainement. Là aussi. C'est impressionnant quand même. Hein. Et sachez qu'il faut que toutes ces étapes soient vraiment coordonnées dans un temps très très précis. Parce que sinon, bah, ça fait échouer toute la timeline du lancement. Hein. Toutes les étapes. À voir. Ah, apparemment, ton micro est pas top, ce qu'on nous dit, Jérôme. C'est un peu méchant, ça, quand même, David. Il fait de son mieux. Je suis désolé, David. J'ai ressorti mon vieux micro d'avant. Visiblement, bon, c'est pas top. C'est ça. Bon, là, il n'y avait pas encore, les amis, il n'y avait pas encore la capsule ni la tour de sauvetage. Je pense que c'était un Pathfinder, c'est-à-dire une maquette pour simuler le poids, en fait, qui se tient au sommet du lanceur. C'est quand même impressionnant. On se rend un peu compte de la taille. Tout à fait, vous vous rendez compte de la taille à ce moment-là, et c'est quand même impressionnant. 95 mètres, je le rappelle, ce qui n'est pas rien du tout, pour le coup. Et là, bah, j'ai d'autres vidéos avec une animation, je pense que c'est plus une animation lancement. Non, j'ai une autre animation, je vais vous montrer, tiens. En attendant, comme ça, ça nous permet de combler un maximum, les amis. Et on découvre aussi des choses, ça nous permet de découvrir tous ensemble des nouvelles choses. Et ça, c'est plutôt sympa. Tac. Hop. Si la vidéo veut bien se lancer, c'est super. Tac. Là, voici une nouvelle animation d'un rollout. Bon, à chaque fois, je vais éviter de mettre les musiques, si vous voulez, pour pas qu'on se fasse avoir. Donc là, une audido que j'avais jamais vue. Très sympa aussi. Clairement. Très 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 sympa, un peu plus archaïque que ce qu'on a vu, mais on est à peu près à la même puissance, parce que je vois que les gens me disent on n'est pas à la même puissance, on est un chouillon en dessous pour le SLS Block 1, mais je pense que pour les versions d'après, on dépassera la puissance de que délivraient les Saturn 5 à l'époque. Donc là, vous voyez le déluge avant l'allumage des moteurs RS-25, qui est le même déluge qu'on avait à l'époque sur les navettes spatiales. D'après ces magnifiques moteurs qui forment une flamme en forme de diamant. Ils sont magnifiques. Le lancement pour avril ou mai, instant spatial, normalement. Ça devrait avoir lieu. Non, David, j'ai pas de suite Astra, par contre. Donc là, vous voyez une simulation de lancement. Depuis le pad 39B. Je sais pas si j'ai raté des questions, mais je pense que non. Je suis pas trop dessus, désolé. J'ai pas compris, Bentech, ta question. Tu dis, le développement de SS étant déjà colossal, il était si loin que... Tu peux réitérer ou peut-être apporter plus d'éléments à ta question. Elle va où après l'orbite autour de la Lune? Bah, juste là, ça marre et après elle revient. Elle n'est pas destinée à aller plus loin que l'orbite lunaire déjà qui est à 384 000 km de nous, si je ne me trompe pas. Jérôme, tu me corriges. De quoi, pardon? La distance de la Lune, c'est 384 000 km? Ouais, entre 360 000 et je sais plus combien, ouais. mais au moins 360 000 à périgée, je crois. Oui, parce qu'évidemment, ça dépend si on va au périgée ou à l'apogée. Un périgée qui est le point le plus haut de son orbite et apogée le point le plus... Le périgée pour le plus bas, pardon, et apogée le point le plus haut. Voilà. Après les essais, SLS retournera au VAB. Ah oui, donc ils retourneront le SLS au VAB. Il restera pas sur son patin. Donc ils ressortiront le SLS. Ah oui, d'accord. Mais donc on assistera peut-être à deux rollouts sur la chaîne. Pas de soucis, David. On essaie de vous expliquer au maximum comme on vous dit ici. C'est chez Vulgaspace. On vulgarise un maximum ce qui se passe dans l'espace. Et donc on répond à toutes vos questions. Voilà. Regardez Lauriane tout à l'heure, malgré ces questions compliquées, j'ai su y répondre comme je pouvais. Donc voilà.
Après, quand il redémarre le moteur dans l'espace, il n'y a plus du tout cette flamme-là, et c'est surtout que le moteur du second étage qui va être rallumable. Les RS-25 ne le sont pas. Ouais, Astra ont réussi, Justine. Astra ont réussi. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais pas précisé. Là, on le voit, là. C'est que... Je vais par contre, j'ai une musique, c'est pas ça que je voulais. Mais on l'a vu juste avant, là. Je vous montrais. Partie importante de la mission. Là, vous voyez, vous dites, mais qu'est-ce qui est largué? Ben, en fait, lors de la première mission Artemis 1, où ils vont lancer une capsule inhabitée pour tout tester sur Orion, ils vont en profiter pour larguer des CubeSats qui sont très nombreux, il me semble. Ils sont un nombre important. Je vais essayer de vous retrouver exactement combien ils sont. Mais ils vont en profiter pour lancer des CubeSats. Pas juste pour faire entre guillemets mumuse autour de la Lune. Ils vont lancer des CubeSats. Je vais vous dire exactement combien on en a, parce que je l'avais mis dans la description du live en question. 13 CubeSats, voilà, ils seront au nombre de 13. J'ai pas les clients, les agences concernées. Mais il y en aura une bonne quantité, ce qui permettra aussi de aux entreprises en question de profiter du SLS pour pouvoir expérimenter leurs CubeSats plus loin que la proche banlieue terrestre. Alors, je vais compléter ce que tu dis, Alex, mais c'est vrai qu'en général, on profite des lancements tests comme ça, des nouveaux lanceurs, pour embarquer des microsatellites ou des CubeSats, comme on dit, pour faire des expériences scientifiques, parce que du coup, on va pas laisser quand même partir un truc tout seul comme ça, juste pour le tester. En général, on en profite un petit peu quand même. Ouais. Et là, vous avez la période de la rentrée atmosphérique. Donc, vous savez que voilà, Orion possède un bouclier à sa base, un bouclier thermique, comme toute capsule, parce que sinon, elle ne survit pas à l'échauffement de la rentrée, qui est de, si je me trompe pas... Je confonds les degrés Kelvin et degrés Celsius, mais je crois 1700 degrés Celsius et 1600 degrés Kelvin. Je sais plus si lequel est inférieur à l'autre, mais je crois qu'on est dans ces cordes-là. Et ensuite, on déploie les parachutes. Et splashdown, donc amérissage, comme ce qu'on voit pour les Crew Dragon. Et ce qu'on voyait aussi à l'époque pour les capsules Apollo, qui n'ont pas trop changé. Le design est un petit peu le même. On se repose sur la quasiment la même architecture, même si c'est des conceptions différentes, c'est des époques différentes, mais voilà. Je pense vous avoir expliqué pas mal de choses, les amis. Je regarde si on a peut-être une autre... Non, on n'a pas d'autres animations en stock. Je pense qu'on a fait le tour, concrètement. Je veux juste répondre à Fluch, qui nous dit que c'est du gâchis, car les RS-25 sont prévus pour être réutilisés, entre parenthèses, navettes. Alors, je pense que tu te trompes, Fluch, parce que malgré le fait que les RS-25 étaient installés sur les navettes, ils étaient allumés qu'au décollage. C'est-à-dire que la navette ne rallumait jamais ses moteurs RS-25. Là, ils restaient allumés longtemps, les RS-25, mais dès l'instant qu'on les coupait, on les rallumait plus, quoi. Ouais, on les rallumait plus derrière, et c'était d'autres propulseurs d'appoint, entre guillemets, c'était des plus petits propulseurs qui étaient sur la navette qui permettaient de modifier son orbite et de naviguer un petit peu. Ouais. Mais maintenant, les RS-25... jusqu'à aujourd'hui, même par les navettes, n'étaient pas réutilisables, entre guillemets, enfin, pas allumables une deuxième fois, quoi. Ouais. Et puis, plus Quentin précise que c'est des moteurs qui sont un petit peu améliorés, mais en plus, du coup, ça complète bien ce que tu disais tout à l'heure, Jérôme, sur le fait, à l'instant, sur le fait que les navettes, on les réutilisait, mais ça coûtait extrêmement cher de les réutiliser, parce que, surtout, les moteurs devaient être réinspectés de fond en comble, tout devait être, les systèmes importants devaient être enlevés, inspecter, remonter, voire corriger. Et donc c'est ça qui a coûté énormément d'argent et qui a fait que le programme navette s'est essoufflé, en plus des pertes qu'il y avait eu. Les tuiles thermiques, surtout, c'était un vrai casse-tête, à ce qui paraît. Ce qui a causé, malheureusement, la perte de l'équipage de Columbia en 2003. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme je vous ai dit, les amis, on approche, là, on est à un quart d'heure de la prise d'antenne de la NASA. Et je crois qu'il y avait Lucas qui était dans le chat. Il y a Lucas qui est dans le chat. Courage à toi. C'est dommage que tu ne sois pas avec nous pour partager cette belle soirée. Mais bon, on fait avec. On a ramené une partie de la team d'antan et ça fait plaisir. donc voilà. Merci pour ces images. Merci Malia. Merci à toi. C'est des RS-25 modifiés et un peu simplifiés pour pouvoir être jetables. Les deux boosters des navettes étaient bien récupérés en mer, toutefois remorqués comme des flotteurs. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je me demande ce qu'ils vont en faire pour SLS. Je sais pas si Quentin t'as l'info pour les SRB.
Donc les Solid Rocket Boosters, donc les boosters latéraux, les longues parties blanches et hautes que vous voyez sur les deux côtés du lanceur. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vais regarder un peu plus haut. Ah, j'avais pas vu, je sais que t'avais pas lu un message Quentin en plus. Non, bah vous êtes assez assez attentif là, je pense. Vous écoutez beaucoup ce que je dis et tant mieux. C'est-à-dire que j'aurais moins de questions pour lesquelles je voudrais répondre le jour du lancement. mais ça fait plaisir, n'hésitez pas, hein, comme d'hab, à lâcher vos questions. En toute honnêteté, le SLS est l'une des plus belles fusées qui existent. Et bah écoute, moi je suis pas trop fan personnellement de l'adaptateur qu'ils ont mis, enfin la forme conique orange qu'il y a entre le premier étage et la partie blanche. Je sais pas ce que t'en penses toi, Jérôme, du design du SLS. Moi j'aime bien. Voilà. C'est tout. C'est un argument qui. Ça se vaut. Non, ça moi se j'aime bien parce que. Enfin non, c'est. Enfin, c'est un profil aérodynamique, tu vois. Ouais. C'est plus fin vraiment en haut, plus large en bas. Et ça rappelle aussi un petit peu la Saturn 5 en soi. Bah, j'ai l'impression que c'est un mix de Saturn 5 et de navette spatiale, quoi. C'est-à-dire ouais, ouais, un peu, ouais. On a une très grande tour de sauvetage au sommet, avec cette partie ouais. blanche. Et on a toute cette partie orange qui nous rappelle le réservoir, le tanker, le réservoir des navettes spatiales ouais, qui était très gros. C'est vrai, je te comprends pas là-dessus, parce que moi, cette partie conique, elle me dérange pas du tout. Et bien moi, je suis pas fan de... Je trouve que c'est pas uniforme avec ce qui se trouve en dessous, avec le cortège. Merci beaucoup, Arthur. Mmh. Pour ton don de 20 euros, merci énormément. Merci Arthur. Direction le pad 39B avant d'aller sur la Lune. C'est ça. Sauf qu'il va aller sur le pad. Le SLS va aller sur le pad et revenir dans le bas pour retourner sur le pad et partir. Mais bon. Répète ça, Alex, pour voir le design. Moi, c'est mon avis, mes amis. Parce que entre l'animation, forcément, et la réalité, il y a toujours des différences. Mais là, moi, je suis pas très fan de cet adaptateur. Après, peut-être que quand il va sortir, ça va être différent. Je vais dire, waouh, c'est trop beau avec la lumière et tout. Avec la lumière du jour, parce que les lumières qu'on a à gauche, là, sur l'image, c'est que des lumières d'intérieur. On n'a pas vu le SLS encore entier de jour éclairé par la lumière naturelle. Donc, ça se trouve, j'aurais un autre avis. Ils auraient pu collaborer avec SpaceX pour les boosters et se servir des Falcon 9. Rien à voir parce que c'est pas la même architecture et la NASA planche sur le projet depuis 2013, donc ça date maintenant, ça date. Prochaine étape, la Lune du coup, alors prochaine étape déjà c'est rollout, on achemine le lanceur jusqu'au pad, on fait une répétition générale d'avant lancement, on check si tout va bien, si la fusée répond bien à ce qu'on lui demande, et derrière on la réachemine au VAB pour faire les dernières inspections et ensuite on réachemine vers le rollout, on fait un rollout pour réacheminer vers le pad 39B le lanceur pour le lancer vers la Lune. Ah, il reviendra quand même au VAB. Oui, c'est ce que Quentin a dit tout à l'heure et qu'il a épinglé lui-même dans le chat pour te dire. Donc... très bien, ok. Est-ce que la PUVE avec les. Alors j'ai pas compris ta question, Space, avec les noms TOSS. Voilà, je suis pas le seul à pas aimer l'adaptateur. Moi je suis pas fan de ce qu'ils ont fait. Je suis pas fan. Après, c'est facile de critiquer, c'est toujours facile de critiquer parce qu'il y a quand même tellement d'ingénieurs qui travaillent sur ce projet depuis 10 ans, même plus de 10 ans maintenant, que c'est après, facile c'est de critiquer. C'est pas une critique, c'est un avis personnel. Voilà. Mais certains peuvent le prendre comme une critique, donc je préfère prévenir. Est-ce que la puce avec les noms sera intéressante? Je comprends toujours pas, Space. La météo là-bas, bah j'avais un beau temps, moi, tout à l'heure, sur ce qu'on a sur place, il y a un beau temps actuellement. Pour avoir regardé tout à l'heure, il y a plein de gens amassés. Il y a plein de gens amassés là. Ouh là là. Il y a plein de gens amassés sur une des caméras que j'ai, c'est incroyable. On est sur combien de tonnes réservoir plein? Bonne question. Et je vais aller voir tout simplement sur notre site pour lequel on a l'affiche. Je vais pas m'embêter, clairement, je vous le dis. Sur notre site internet, normalement, on l'a évoqué. Cette info est dispo. Hop là, fiche technique du SLS. J'espère que les gars vous l'avez mis. tac. Alors, moi j'ai masse de 3000 tonnes. Non, ça c'est pour le bloc 1B, pardon, c'est pour la bloc 1B, donc c'est la version qui est plus haute.
J'ai pas de masse au décollage là, les gars. je l'ai pas ici, je vais regarder autre part. Autre question en attendant, est-ce que le décollage se fera sur le crawler? Je crois que oui. En fait, ça va être la même plateforme, sauf que pour moi, le crawler avec les chenilles va s'en aller. C'est-à-dire que la plateforme D'accord. va être en fait tenue et fixée sur le pad, en fait, où le pad a une évacuation en dessous, tu sais, pour faire échapper les gaz et les fumées des moteurs. Ouais. Et le crawler, lui, sera retiré. Et j'ai une image en plus qui le montre, là, je vais vous montrer. En attendant. Ok. Je vais vous montrer ça. Et après, je répondrai à la question. Parce que moi, ça me, comme Lucas à chaque fois, ça me dérange de ne pas répondre à vos questions. Donc, je fais tout, je persévère pour y répondre. Hop, je vais aller vous chercher l'image. Moi, je l'ai de toute façon quelque part par là. Donc, je vais aller la chercher. Hop là. Tac, il faut juste que je la retrouve. Ça va prendre un peu de temps. Non, bah je l'ai pas mise par là, je vais aller la chercher comme je l'ai trouvée tout à l'heure. C'est-à-dire celle-ci. Hop. Et bah mince. Tac, voilà, j'ai l'image en question, je vais pouvoir vous la montrer. Si ça veut pas partir, ce serait cool. Hop, voilà, là on est bien. Donc là vous voyez à gauche, je sais pas si tu vois Jérôme, tu vois bah, le lanceur une fois posé sur sa plateforme. Et là on oui. voit en dessous, bon on voit un peu de vide là, je sais pas si tu le vois. Mais du coup le crawler Non, je vois pas parce que tu partages le mauvais écran. Ah, alors attends. Puis d'ailleurs, attends, je pense que, en plus, voilà, là, ça sera plus parlant, là. Ça sera plus parlant, parce que si je fais comme ça. Tu vois pas mon écran? C'est normalement, tu vois, là. Hein. Si, je vois là, ça. Là, on voit à gauche, vous voyez, qu'en mm-hmm. fait, ça, on a du vide en dessous de la plateforme qui va être apporté par le crawler. Donc, pour moi, le crawler va se retirer pour justement laisser, en fait, s'échapper les fumées liées au... Bah, liées à l'allumage de ces monstres de moteur. Mm-hmm. Et donc ça va reposer sur la même plateforme et la même tour, hein, on a la même tour de lancement d'ailleurs. C'est juste que on voit en plus le comparo avec ce que je montre à droite là. C'est juste le crawler qui est en dessous, lui va partir avec ses chenilles dans ce sens là. Enfin là je pointe pas, mais moi je le pointe avec ma main de la droite vers la gauche pour quitter mmh. le pas de tir et laisser le place au SLS et sa plateforme et sa tour. Okay. 2628 tonnes carburant rempli, ouais, je pense, j'imagine, ça doit être ça, parce que c'est 3000 tonnes pour la bloc 1B, donc ça a l'air d'être cohérent. Je pense à ça depuis un moment, car pour être tout à fait honnête, je ne connais pas toute l'histoire de la navette et de la Saturne 5, sûrement, et je trouve que ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire là, il y a beaucoup de choses à dire si on doit tout décrire là. Ouais, il y a surtout sur la navette. Et... La navette, oui, il y a beaucoup de missions, 134 je crois pour la navette. Carrément. La Saturne Alors, 5, il n'y a pas eu que les missions Apollo en plus, parce que la Saturne 5, elle a fait des enfin, elle a pas fait que les missions habitées, elle a aussi fait des missions de test pour tout valider avant aussi. Oui. Ainsi que la Saturne 1B hein, qui avait accompagné. Grosso modo, on pourrait dire que la Saturne 5 a été vraiment dédiée à l'orbite lunaire, même si elle a fait des tests en orbite terrestre, alors que la navette spatiale, elle, était plutôt dédiée à l'orbite basse, en orbite basse terrestre, du coup. Et si on peut lui donner une particularité, c'est d'avoir envoyé Hubble, d'avoir été peut-être deux ou trois fois à son chevet pour aller le réparer, parce qu'il n'allait pas bien, et... avoir lancé Juno, par exemple, direction Jupiter, et d'autres trucs dans le style, quoi. Mais c'est... Voilà, c'est pour dire, grosso modo, les caractéristiques et les particularités de ces lanceurs. Mmh. À quoi ils ont servi. Non, ils ont tous eu un rôle clé, en fait, dans l'histoire de la conquête spatiale. Ouais. Et puis, la navette aussi a servi surtout à construire l'ISS. Ouais. En grosse partie. En grosse partie, et comme tu disais, Hubble, enfin, voilà, et en plus, ça permettait vraiment de construire une station pièce par pièce, elle avait une immense soute.
Enfin, c'était en matière d'emporte-charge utile, c'était très très conséquent. Ouais, ouais, c'était énorme. Réutilisable, c'est-à-dire qu'elle décollait comme une fusée, elle revenait comme un avion sur une piste qui est juste derrière, d'ailleurs, le Kennedy Space Center, hein, une piste qui est toujours là d'ailleurs. Et, ça devait être très impressionnant de voir ça. Bien dommage qu'elle ait pris sa retraite. Alors, autant pour moi, j'ai dit une connerie, c'était pas Juno, c'était Galileo et Cassini. Ouais, c'était Galileo. Juno, ça a été envoyé par une autre fusée, hein, il me semble. Et Cassini, non, je suis pas sûr, hein, c'était pas par la navette. C'était par une Atlas 5. Juno, c'est Atlas 5, il dit, justement. Parce que beaucoup de missions interplanétaires sont effectuées via l'Atlas 5, notamment bah, Perseverance, ouais. Curiosity. Et Cassini, je crois que c'était... Aussi. Cassini, je crois pas que c'était par la navette. Les chenilles ne résisteraient pas au lancement, je pense, ouais. Je pense aussi, c'est pour ça qu'il les retire. Ouais. Elle a volé station Skylab aussi, la station 5, c'est parce que c'était un réservoir de S4B qui avait été... utilisé en guise d'habitat hein, pour la station Skylab, je vais y arriver. C'était la première station spatiale américaine. Cinq envoyés la station Skylab, les équipages. Ouais, on l'a déjà dit. Pas Cassini non plus, Quentin. Jérôme, tu t'es trompé là. Apparemment, les raisons. Ah non, ont été légèrement modifiés. Non, vous avez raison, Cassini, ça n'a pas été envoyé par navette. Chris, oui, ils ont été légèrement améliorés, mais sans plus. Hein, ils conservent leur même, la même architecture que ceux utilisés sur la navette spatiale. Ouais, je crois aussi Ryzen. Mais Quentin peut nous en dire plus à ce sujet. Là, on aurait vraiment cru à une nouvelle, une bébé Saturn V, quoi, avec ces couleurs-là. La navette était le meilleur véhicule spatial, mais beaucoup trop dangereux. Écoute, c'est vrai, c'est ça. Bah, on verra ça en vrai, justement, Aldan. C'est juste, on va juste acheminer le lanceur vers son pas de tir, Thomas. Il n'y a pas de lancement aujourd'hui. Voilà, donc Quentin vous explique tout pour les RS-25. On est passé d'une version D à une version E, plus puissante, moins chère, mais jetable. Je vais passer sur la webcam, je pense que ça devrait commencer. Oh, ils ont poussé de 30 minutes, super, merci à NASA. Prise d'antenne à 22h30 désormais, les amis, ça c'est un peu relou. Zut, moi je pense que je serai plus là. Pas de soucis. Ils se sont rendus compte que peindre le SLS, la SLS n'était pas si utile, mais très cher et lourd. C'est ça. Bah, j'ai déjà vu ton message Space, mais je sais pas si c'est approuvé. Je sais pas si Quentin peut me confirmer ou non. Bah non, pas de cam, David. Ça a été repoussé d'une demi-heure sur le live de la NASA. C'est super sympa de leur part. Laboratoire en soute, ouais, eh ouais, eh ouais. Non, mais c'est vrai que les navettes spatiales c'était quand même extraordinaire comme engin. Ouais. Mais très dangereux. Très dangereux, on l'a vu à deux reprises, malheureusement. C'est pour ça que j'ai marré. Vas-y, Jérôme. C'est à coup de 7 personnes d'un coup, quoi. Ouais. Non, 4, mais pas 4, mais 7, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais vraiment en apprendre davantage sur la navette Saturn V, la mission Apollo aussi, mais j'ai donné une petite idée à petit biscuit alors. Ah bah, on va voir ce que Quentin nous a préparé. De toute façon, elle va mettre une heure à sortir, alors bon. Vous savez pourquoi elle est orange? Bonne question. Bonne question. Si, je crois que je sais, moi. C'était pareil pour la navette. C'est-à-dire que, en fait, il vaut mieux laisser orange, plutôt, parce que peindre, au final, ça reviendrait un peu trop cher. Ça alourdit vachement, et pour le peu de résultats que ça va produire. Parce qu'en fait, normalement, il faudrait peindre les lanceurs en blanc. Pour contrer un petit peu les effets du soleil, c'est-à-dire pas que y a une trop grosse différence de température entre le soleil qui tape sur l'extérieur des réservoirs et l'intérieur qui lui est cryogénisé. Du coup, normalement, c'est peint en blanc pour essayer de réfléchir un maximum la lumière du soleil. Mais il y a des cas où c'est pas la peine de peindre. Je crois, il me semble que ça a un rapport avec ça. Maintenant, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que on est là-dedans. C'est une histoire de peinture. Ah, sur NASA TV, on a un stream. Bon, bah, ça, c'est cool, on va aller voir. Je savais pas. Merci de me prévenir.
Je vais aller prendre le. Bah, cool si on a, on a un flux, ça fait plaisir ça, on va aller voir. Merci Quentin qui me sauve. On va aller chercher ça tout de suite, comme ça même pouvoir Jérôme va pouvoir en profiter un peu, ça serait cool quoi. Hop. NASA TV. Ah ouais, on a des images. Bah cool. Allez, c'est parti. Bon, on a juste... rassurez-vous, on a juste le VAB avec la porte ouverte. Hein, on voit rien d'autre. Mais quand suite. Même, j'aurai au moins ça avant de partir. Je vous le dis tout de suite, les amis. Est-ce qu'on a du son ? On n'a pas de son, donc ça sert à rien d'en mettre. Je sais pas si tu vois ce que je montre, Jérôme. Si, si, je vois. Ok, parfait. C'est le VAB. C'est le VAB avec la porte ouverte et vous avez le beau patch Artemis en blanc devant. Mais du coup, c'est la porte gauche. C'est la porte gauche, du coup, que je disais tout à l'heure. En fait, c'est celle ouais. qui est la plus éloignée. Donc, en fait, j'avais faux. Enfin, sur le début, j'ai dit que c'était ça. Donc, c'est avec la route qui était courbée, comme ça, que j'ai montré au début. Ça. Donc ça va sortir de cette porte là. Voilà, pour la petite info. Et pour répondre à ta question, Aldon, je crois que c'est ouais, je crois que c'est la couleur du réservoir qui est comme ça en fait, et ils décident de pas peindre parce que ça ferait trop de poids. Et ça servirait pas à grand chose en fait. Donc ils laissent la couleur telle qu'elle. C'est ça. Et c'est orange. Voilà. Comme pour la navette. C'est la mousse isolante du réservoir. C'est ces morceaux de mousse qui se sont détachés pendant le décollage de. C'était Columbia. Non, c'était pas Columbia, Challenger. C'était Challenger. Mmh. Challenger. C'est cette mousse-là qui s'est décollée du réservoir central pendant le décollage de Challenger, qui a heurté le bord d'attaque de l'aile de la navette, l'aile gauche, je crois. Et c'est ça qui a produit, après, à la rentrée, sa désintégration. Enfin, ah non, je confonds. Ça, c'était Columbia. Columbia, c'était à la rentrée, attention. Ouais, c'était à la rentrée. Donc, ouais, moi, je parle de cette rentrée atmosphérique. Là, c'est Columbia, Quentin, il dit. Et Challenger, c'était un problème de booster au décollage. C'était le booster latéral. Alexandre qui dit « Regarde le live des Rudy Astrono, car l'angle de vue est bien meilleur. » Je sais qu'il live, le problème c'est qu'on n'a pas les droits, les amis. Voilà, je préfère diffuser un live qui relate du domaine public plutôt que de prendre un stream d'autre part et nous faire claim. Ouais, ça serait passé plusieurs années d'attente. Ouais. Parce qu'il me semble qu'Artemis 2 c'est 2024 si je me trompe pas. Oh là, j'ai pas cette histoire, Bayonako, j'ai pas cette anecdote en tête. Ah, je la connais pas non plus. C'est du polyrétulane métaiso qui est orange. Ouais. Métaisolant, je crois qu'il voulait dire plutôt. Ouais, métaisolant. Le ring du booster à poudre, ok. Ouais, c'était le joint à cause du froid. On a une image à l'intérieur. On a une image à l'intérieur. On a switch de caméra. Mm. Ah, avec le beau logo de l'ESA en plus. Et de la NASA. Ouais. Un jour, un pic vert est venu bouffer ce revêtement à Valon. Ah oui ! Parce qu'en plus, pour Challenger, en plus, ce qui s'était passé, c'est que ils avaient retardé, je crois, de plusieurs fois le lancement. Parce que ça avait gelé, mais il avait fait très très froid, je crois, les jours qui précédaient le lancement. Et ça n'a pas arrangé les choses. Et pressé de vouloir lancer cette navette qui avait été déjà reportée plein de fois, ils ont pris le risque de lancer pour le coup, mais ça n'a pas bien donné parce que, avec le froid, le joint s'était rétracté, s'était comprimé, rétracté sur lui-même plus ou moins, et il n'a pas repris sa forme initiale. Ce qui fait qu'il y a eu une fuite de. D'ergol solide qui cramait dans le réservoir et ça finit par exploser. Quoi. Je
Le SLS ou le booster du Starship avec... Non, clairement, Starship est plus puissant, les amis. Hein. Quasi deux fois plus puissant, le Starship entier. Mais écoute, Justine, je vais voir. C'est jusqu'à quand je peux tenir. Jusqu'où je peux tenir. Si tu tiens jusqu'à la fin, respect. Ouais, ça va. Mais je pense chaud, que... Ouais, je pense qu'il y aura plus grand monde. C'est pas une tweet qui s'est détachée au lancement, Roddy nous dit, nous demande. Non, détaché au lancement, une tuile, je crois que c'est pas arrivé. Après les navettes, c'est. C'était un peu osé. Bon, en tout cas, on attend que cette bête sorte. Il y a une super série documentaire sur le drame de Challenger sur Netflix. Ouais. Et j'ai vu que sur Netflix, ils vont d'ailleurs sortir un docu sur la première mission de test habité de Crew Dragon, Demo 2 à l'époque, avec Bob et Doug, Bob Behnken et Doug Hurley. Et ça risque d'être très très sympa. Il s'appelle Return to Space, ce docu. Donc ça risque d'être sympa, et ça sort début avril sur Netflix, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Ouais, l'accident d'Apollo 1, il est horrible, hein. C'était des essais au sol où la capsule avait pris feu à l'intérieur et les astronautes avaient tenu quelques secondes à peine avant de mourir asphyxiés, brûlés. Ouais. Ça, c'est terrible quand même comme accident. Mais c'est après ça qu'on a décidé de faire un mélange d'azote et d'oxygène dans l'atmosphère des véhicules habités. Des véhicules. Parce que l'oxygène pur, ça s'enflamme. Ouais, pour reproduire quasiment l'atmosphère terrestre, alors que l'oxygène pur, bah... C'est beaucoup plus inflammable, comme tu dis. Après, ils ont préconisé un double joint. En fait, la nuit avant le lancement, il a gelé, sauf que le joint du SRB droite a pas aimé, car ils sont pas faits pour des températures aussi froides. Ouais. Salut Rémi, bienvenue à toi. Alors, la date du premier tir. Salut Romain. Et la date du premier tir du SLS, on sait pas trop si c'est avril ou mai, mais je pense que c'est plutôt vers le mois de mai que ça aurait lieu. Bon, sur ces belles paroles, messieurs, dames. Tu vas t'en aller, mon petit. Ouais. Bah écoute. Oui, désolé, je te laisse seul. Grand plaisir d'avoir été avec toi. Je pense que tout à fait, grand plaisir, la commune a apprécié de te entendre après. 2-3 mois d'absence après James Webb. Un peu plus même, mais ouais. Carrément. Ouais. Carrément, grand plaisir de revenir. Et puis de toute façon, je reviendrai, je pense, pour le tir du SLS. De cette bête. Ouais, exactement. Ça marche. Merci. Voilà, gros bisous à tout le monde, merci. Bisous. Bisous à toi. Et puis, soyez forts. Yes. Allez, la bise. Salut, ciao, Jérôme. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. Nous sommes désormais seuls, les amis. Seuls, livrés à nous-mêmes. En tout cas, s'il y a un admin qui veut me rejoindre, un modo, pour me soutenir, ce serait cool. Salut, Julien. Alors, on a à nouveau une vue qui filme le bâtiment, le VAB du Kennedy Space Center. Salut Matin. Pourquoi il faut un aller-retour? Bah le retour je pense pour si jamais il y a des choses qui ne vont pas, de tout remettre d'équerre avant le tir quoi. C'est sale, c'est ça. J'ai toute mon équipe qui m'a délaissé, les amis. Je plaisante, bien sûr, je plaisante. Moi, je voulais juste m'ouvrir Discord pour regarder un truc. Je pense que je vais arrêter mon partage sur Discord. Ça sert à rien. Hop. Hop. Je vais regarder si on a des actus qui nous parviennent.
C'est ça, Rudy. Non, t'inquiète, Valorant, t'inquiète, t'inquiète. Je vais pas te faire subir ce long live immense. Pourquoi les astronautes disent over à la radio en fin de communication? Bah pour dire terminé, tout simplement, pour signifier que c'est bien leur fin de prise de parole. Ça va et toi, Julien? Ça marche, Quentin. Alors, le Discord, je te le mets dans le chat. Bon, je vais ouvrir une autre fenêtre parce que je peux pas le faire depuis Streamlabs. C'est très, très bête. Fin de prise de parole. Voilà, normalement, le Discord va pop incessamment sous peu. C'est ça. Ah oui, JP, c'est vrai aussi, on peut pas le laisser trop longtemps à l'air libre. Ouais, ça peut être, c'est une bonne remarque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me rejoindre, la team Quentin? Est-ce que tu veux me rejoindre? Ce serait cool. Ouais, non, mais je pense que 12 heures, mon avis, je pense qu'on va arrêter avant. Du nouveau du trou dans la combinaison de Kayla, eh ben je sais pas. Je sais pas, les amis, où est-ce que ça en est. Ouais, c'est pas le QG de la NASA, c'est le VAB, c'est-à-dire c'est le bâtiment où on assemble les lanceurs. C'est pas le quartier général de la NASA, ils ont plein d'installations, la NASA. Ouais, à 22h30, Justine. C'est ça, Mathias, tout à fait. Et qui part pas maintenant. Bonsoir, bonsoir. Oh, j'ai mon Quentin qui me rejoint, comment tu vas? Ici la biscotte préférée française. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bah écoute, on est parti pour X heures de live. On est beaucoup trop. Ouais. Bon, on sait que Artemis est un programme qui t'est cher, hein, Quentin. C'est mon programme préféré. Qu'as-tu à dire sur le lanceur, parce que je sens que t'as pas aimé ma critique de tout à l'heure. Déjà, le lanceur, il est beau. Il est grand, il est majestueux. Il est mythique, alors qu'il a même pas encore volé. Et il va mettre 1h20 pour sortir du VAB. Rien que pour franchir la Oui. porte qui est ouverte, là, vous voyez, ouverte, les amis. Alors, les Falcon 9, elles sont assemblées un peu plus loin, près des pas de tir. Ouais, et j'ai montré Directement tout dans à un l'heure en hangar. plus. Tout à l'heure, je l'ai montré en plus sur la vue Google Maps. Je pense que je peux la remontrer parce qu'on a que ça à faire. Donc en gros, ça va sortir de la porte qui est la plus éloignée là, qu'on voyait la plus éloignée de la route. La porte de, enfin, on voit de droite, mais je dirais plutôt porte de gauche dans le, vous savez, dans le sens de la route que le crawler va emprunter pour sortir. Mais ça va être plutôt cool, franchement. La NASA ne reçoit que toujours que des financements de l'État américain, je pense surtout, bah, uniquement du Congrès, hein. On est d'accord là-dessus, hein, c'est le Congrès qui finance les programmes. Et donc le Congrès, c'est les contribuables américains, voilà, qui payent de leur poche, enfin qui s'en rendent pas compte, mais qui se font déduire via leurs impôts, etc. Des parts de budget pour le spatial, il y en a aussi pour la défense, je pense qu'il est le plus gros poste de budget aux États-Unis. Mais je vais vous remontrer, les amis, la vue que j'avais là tout à l'heure de Maps, parce que ça peut être intéressant de vous remontrer d'où ça va partir exactement. Du moins d'où ça va. De quelle porte ça va quitter le CLS va quitter le VAB pour rejoindre son pad. Pourquoi le laisser 3 semaines? Déjà, les tests devraient avoir lieu début avril, donc ça ferait 2 semaines. C'est pour faire des tests, connecter les câbles, etc., etc. Vérifier que tout est en ordre. Faire des répétitions pour l'intégration, parce que c'est la première fois qu'on va intégrer le CLS sur le pad. Puis ensuite faire les tests, conclure les tests, voir si tout s'est bien passé, déconnecter et chemin retour. Et ça prend du temps.
tout ça, ça prend du temps. Du coup, la date, Quentin, estimée de lancement serait aux alentours de mai, quoi. Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Hop. Alors là, j'ai ajouté ce que je voulais ajouter. Hop. Je vais vous montrer comme tout à l'heure, les amis, ce que j'avais envie de vous montrer. Voilà. Hop, ça prend un peu de temps, le temps que je me dépatouille de la chose. Pas Quentin, s'il y a des questions à les prendre, je pense qu'il y en a peut-être. Je les lis. Attends, on parle de notre gros projet, où en est-il? Et bah, c'est encore en préparation, c'est encore en préparation, les amis. Mais vous avez pas oublié qu'il y avait un gros projet qui se préparait, mais ça avance bien. On acquiert des choses qui vont nous permettre de le réaliser. Mais patience, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Patience, mais vous n'allez pas être déçus. Vraiment, vous n'allez pas être déçus ce jour-là. Ça prend un peu plus de temps que prévu, mais on préfère faire les choses bien plutôt que de vous décevoir à la fin. Donc c'est pour ça que on décide de prendre le temps qu'il faudra pour que ça se passe bien. Oh, on a une belle vue là, drone. Bah, je vais laisser la vue comme ça là pour l'instant. On a une vue peut-être même d'avion ou d'hélicoptère, je sais pas, mais c'est assez impressionnant. Et si je me trompe pas, Quentin, le Core Stage, il était rentré là où il y a le logo Artemis, non? Je sais plus. C'était rentré par cette porte. Il me semble même que c'est rentré par la porte principale, sauf qu'il ne l'avait pas ouverte jusqu'en haut. D'accord, ok. Pourtant, pour moi, c'était rentré. Je sais plus, faudrait que je revérifie. Pour moi, c'était rentré comme ça, hein. C'était rentré par l'avant, et après, tu sais, il l'avait basculé pour le mettre dans le. Ouais, avec une grue. La partie auto avec une grue, tout à fait. Je vais attendre qu'il termine de montrer ce plan, parce que c'est un plan inédit. Ouh, on commence à voir le lanceur là, ça va être plutôt sympa. Elle a du mal à se montrer quand même, cette fusée, elle est timide. Hein. Elle se cache. Ouais, c'est toi qui as raison, elle est entrée. Pour moi, elle est rentrée devant. Elle est rentrée par devant. Quand est-ce que ça avait eu lieu? J'ai plus la date, c'était l'été dernier, non? Septembre, non? Attends, parce que j'ai pris une photo à ce moment-là. Si tu as la date, ce serait top. Tu peux changer l'heure sur l'habillage. Ah bah oui, du coup, ouais, c'est plus bon. Le roulage, l'heure estimée, elle est à quelle heure, le début du roulage? Quentin, tu sais ou pas? Bah, si le live, c'est 22h30, je dirais 22h45, quelque chose dans le genre. Ouais, bon, on va modifier. Bien joué de m'en avoir parlé, les amis. Je vais modifier ça. Tac. C'est clair qu'il faut un peu changer le... Parce que là, on est plus trop dans les. On a déjà 20 minutes de retard. Le 29 avril 2021. En avril 2021, c'est arrivé? Ouais. Oh, il y a près d'un an déjà? Non, ça. Bon, je pensais que c'était. J'étais déjà modo ici. Je pensais que c'était en septembre, moi, que c'était arrivé. Ah non, non, non. J'ai des doutes. Le 29 avril. Je te crois, mais. J'ai des doutes quand même. Non, mais. Ça me. Ok, à 15h. Ah ouais, la l'heure est tout. Ouais, voilà, on peut pas nier là. Hop. Oh, regardez, on a une super vue là. Bah, finalement, l'adaptateur est moins moche que je le pensais. Ah si, parce que même il voulait à la base la faire partir en novembre, le 4 novembre. Ah bah oui, logique. Ouais, en 2 mois, ils auraient pas le temps de. Oh, regardez comment c'est beau, les amis. Bah là, je trouve qu'elle est belle, tu vois, par rapport à la photo que j'ai montrée tout à l'heure, tu vois. C'est parce que je suis un bocal surtout. Ah, on a une question par rapport à StarSem et OneWeb, Quentin. Est-ce que c'est définitivement annulé? C'est suspendu, tous les lancements sont suspendus, mais vu comme ça va, ils vont être tous annulés. Et les plus probables pour reprendre les contrats OneWeb, c'est l'Inde, parce que l'Inde était déjà prévue pour lancer des OneWeb. Et OneWeb, c'est à moitié indien. Et pourquoi pas SpaceX? Parce qu'on crache pas sur un contrat quand on s'appelle Elon. Même si on lance la constellation concurrente. Exactement. Business is business. C'est ça. Money is money. Et voilà quoi. Tout simplement,
pourrait permettre Par à contre... OneWeb de finir de déployer leur constellation, quoi. Ouais. Toujours avec cette crise politique, géopolitique, et de guerre, comme vous l'avez peut-être pu le voir sur nos réseaux aujourd'hui, ExoMars est suspendu également. Et l'Europe cherche un nouveau lanceur pour lancer sa mission martienne. C'est bien triste, ça. Mais du coup, on va certainement avoir 2 ans de retard. Enfin, 1 an et demi de retard, puisque les fenêtres de tir pour Mars sont tous les 1 an et demi. Bon, pour l'instant, je vais rester sur 16,5. J'ai mis l'overlay à jour avec ton petit prénom en plus, comme ça, on est bien. On attend. Moi, dès qu'on aura une image, un point de vue moins intéressant, je vous montrerai ce que je vous montrais tout à l'heure et que Quentin expliquait par rapport au hangar de SpaceX. Mais si je l'ai montré en début de live, tout le monde n'était pas encore présent. Donc voilà. Mars 2021, Alexandre nous dit. Non, mais je crois quand même plus Quentin qui dit avril. Pendant combien de temps les lancements sont suspendus, on nous demande. BFM demande sur le chat. On sait pas en fait si c'est une durée indéterminée, quoi. Mais pour moi, ils sont même annulés. Hein. Et est-ce que Galileo va partir sur Ariane 62? Il faudrait voir Galileo les prochains lancements qui sont planifiés. Il y en a déjà. Il me semble qu'il y avait 1 ou 2 lancements prévus sur Soyuz et le reste sur Ariane. Oui, c'est ça. Il y avait 2 ouais. lancements prévus sur Soyuz, puis ensuite sur Ariane 62. Il y en a 5. Donc les 2 Soyuz pourront potentiellement être passés par Ariane. Même si, comme Pierre nous le rappelait sur le Discord, vous pouvez le rejoindre d'ailleurs, ouais. Ariane 6 a déjà un calendrier de lancement très très chargé. Et l'ESA doit aussi gérer Ariane 5, qui est toujours opérationnel jusqu'à 2024. Donc, à prendre avec des pincettes. Tout à fait. Je vous balance le Discord dans le chat, les amis. Comme on vous en a parlé, on a aussi des infos. En fait, les infos qu'on publie derrière sur les réseaux tombent en première sur le serveur. Donc, c'est encore mieux si vous voulez suivre les actualités spatiales en temps réel, par écrit. Combien de temps de roulage? Long, Laurent. Long. Entre 6 et 12 heures. Roscosmos n'a pas dit que la mission pour Mars était maintenue. Ils ont réagi à ça comme on vous a posté. Eux, ils vont essayer de trouver une autre alternative, je pense, hein, Quentin. Enfin, comment ils vont. Eux, ils ont dit qu'ils voudraient bien faire une reproduction de leur atterrisseur et le lancer eux-mêmes sur Angara. Donc, faire une copie d'ExoMars, mais version russe, et le lancer sur Angara. Ouais. Comme ils ont déjà les connaissances et l'architecture. Ariane 5 volera jusqu'à 2023, même 2024, il me semble. Ariane, laquelle 5? Mais, 5. Je vais regarder tout de suite. Mais tout ce qui est sur. Enfin, tous ces lancements. Ah non, 2023. Ouais, août 2023. Tous les lancements sont déjà complets, c'est-à-dire vous ne pouvez plus, si vous êtes opérateur de satellite, payer les lancements pour Ariane 5 puisque tout est complet. Maintenant, ce sera Ariane 6. Ou Vega. Pensez-vous que la fusée Antares pourrait utiliser les Raptor 1 à la place des 2 moteurs russes le temps que Vulcan soit opérationnel? Compliqué, je pense. Surtout que c'est pas du tout les mêmes carburants, en fait. Il faudrait tout changer, en fait, dans le lanceur, je pense. Que se passerait-il si un Dragon arrivait vers le SLS? Bah, ce serait concrètement compliqué. On va vite évacuer le SLS et je pense qu'on peut pas l'évacuer à vitesse grand V, donc... En soi, je pense que pourquoi pas. Ça pourrait être possible. Il y a toujours 2 crawlers qui sont prêts. Et je pense qu'en 2 ou 3 jours, ça peut s'organiser. Plus en l'occurrence, ce soir, c'est le crawler numéro 2 qui va être utilisé. Le 1, il est en maintenance, non? Il est stocké autre part, c'est ça? Il me semble qu'il est en maintenance. Ouais. Tableau nous a parlé d'une fuite de liquide hydraulique, tout dans le genre. SpaceX a dépassé la NASA niveau innovation. Oh bah, largement. Largement.
depuis peut-être 10 ans déjà. Ils ont fait un bond en avant par rapport aux autres qui est quand même gigantesque. Intéressant, Laurent, intéressant. Moi, du coup, je voulais vous. Là, on a un plan qui est moins intéressant. Je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Est-ce que Quentin exposait. Quentin, tu veux que je te partage mon écran ou pas nécessaire? Ouais, je veux bien. Je vais te partager ça tout de suite. Non, parce que comme j'ai enlevé le partage, étant donné que Jérôme était parti juste avant. Voilà. Là, c'est normal que tu vois mon écran en double. Donc là, je vous remontre, les amis, rapidement. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir... Ça serait cool par contre que je le mette là, voilà. Hop, à savoir le bâtiment de SpaceX que Quentin énonçait. Donc là on est au pad 39B hein, que va rejoindre le Space Launch System, le SLS. Et ici, vous avez le hangar de SpaceX. Eux ils sont vraiment très bien parce qu'ils sont accolés à leur pad de tir. Concrètement, ils ont tout compris. Et ils ont exactement le même OSLC-40, donc juste à côté, et OSLC-40 d'ailleurs, ça peut être intéressant de voir les autres pannes. Donc ce qu'il faut savoir ici, les amis, si vous avez la zone civile, on appelle ça, d'où partent... en fait, quand on dit civil, c'était de là où partent les missions habitées du sol américain, parce que je pense qu'hormis ces pattes-là, il y en a peut-être eu d'autres par le passé, je sais pas, mais en tout cas, depuis Apollo, ça part d'ici, quoi, hein, concrètement. Donc soit du 39A... Bientôt, il y aura le SLC-41 pour Starliner. SLC-41, tout à fait. Du coup, ce sera plus trop une zone militaire. Hein. même si on dit militaire parce que c'est la Space Force Station. Avant, c'était la Cape Canaveral Air Force Station. Et là, on est du côté nord de Cap, à savoir le Kennedy Space Center, à ne pas confondre. Donc le Kennedy Space Center, il est ici. Hein, vous voyez le VAB. Le véhicule Assembly Building, donc en fait le SLS va sortir de cette porte là. Je sais pas si tu vois mon pointeur, Quentin, je pense que tu vois tout. Moi je le vois, je le vois. Là ça va sortir d'ici pour emprunter ce chemin. Je remonte pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. J'en profite tant qu'on n'a pas de plan incroyable. Je vais juste me mettre sur le côté là, si vous voulez le live NASA, parce que dès que je verrai qu'un plan plus intéressant revient, et ben je me ferai un plaisir de vous le montrer. Voilà, c'est toujours le même plan, donc tant mieux, on n'a rien raté. Oula. Tac. Et du coup, ce qui va se passer ici, c'est que ça va continuer. Ça va se poursuivre comme ça, très long. Et là, ils vont tourner à gauche pour se diriger vers le pad que j'énonçais, à savoir le 39B. Voilà. Donc c'est vrai que c'est plus long que d'aller. C'est clair que c'est plus long que d'aller au pad 39A pour le coup. Hein. Ils sont assez perdants pour le coup, la NASA. La distance est bien 5,5 km quand on est d'accord. Hein. Environ, ouais. Environ. Voilà, donc là vous avez la zone civile, et plus bas, vous avez des zones dites plutôt militaires. Donc là j'ai la rampe AFS, je sais plus si elle est utilisée celle-là, peut-être plus. C'est le SLC-41. T'es sûr? Pas du tout. Parce que... Ah si, c'est là. Ah parce que là il y a le 40. C'est le, okay. C'est le SLC-41. Parce qu'on voit plus bas le VAB de ULA. Voilà, donc ça c'est le pad. Là, hop, à droite. Ici. Ah oui, ici. C'est là où sont mis à la verticale les fusées. Donc là c'est le pad tir, les amis, du ELA, du United Launch Alliance. Pour ces Atlas 5, futur aussi la Vulcan dans le futur. Et d'où partiront les capsules habitées Starliner vers l'ISS si tout se passe bien pour la prochaine mission OFT2 inhabitée. Ensuite, on longe la côte, on se retrouve au pad SLC-40, d'où SpaceX tire quelquefois des Falcon 9. Hein. Je sais pas si on a d'autres lanceurs qui partent d'ici. Non, d'ailleurs, on peut voir en bas, là, c'est le même bâtiment qu'il y avait au 39A. C'est là où sont fabriqués. Le VAB de là-bas, quoi. Exactement. Beaucoup plus rustique et austère, j'ai envie de te dire, par rapport à ceux qu'on a vus. Là, on a le SLC-37 qui appartient à ULA aussi, apparemment. Je vois ULA dessus. C'est là où sont lancés les. Delta 4 Heavy, voilà. Un super lanceur d'ailleurs, ce lanceur lourd, qui est plus haut qu'une Falcon 9 ou une Falcon 9, pour rappel. Malheureusement, il lui reste que 3 lancements. C'est actuellement
le plus, si je ne me trompe pas, le plus haut lanceur lourd en activité qui vole, quoi. Ensuite, il va être détrôné par, par le SLS et Starship. Je dis bien qui vole, parce que qui a volé, on est bien sûr N1, bon, qui n'a pas beaucoup survécu, et la Saturn V. Ensuite, on a le Launch Complex 34. Je pense qu'il ne doit pas servir, celui-là. Non, il est désaffecté. Il est désaffecté. Le 20. En dessous, le 20, c'est Firefly. Firefly Aerospace. Qui plutôt, pour l'instant, qui opère plutôt uniquement en Californie. À Vandenberg, pour l'instant. Là, on a le complexe Titan. On avait des fusées Titan à l'époque. Le 19 qui est retraité. Il y a quand même, vous voyez, les amis, qu'il y a plein de pas de tir. En dessous, Relativity Space. Exactement. Donc, il faut qu'il fabrique une fusée entièrement imprimée en. En carbone ? Non, pas en carbone, pardon. En 3D ? Bah, imprimé en 3D. Impression 3D. Qui s'appelle Terran One. Le 15, bon, je sais pas s'il sert. Désaffecté. En dessous, ils sont tous désaffectés. Sauf... Et là, on a les zones d'atterrissage des boosters SpaceX, les amis. Terrestre. Zone d'atterrissage terrestre. Landing Zone 1 and 2. Avec les beaux logos SpaceX qui commencent à être un peu. Atteint. Là, on a des belles rondelles. Peinture. Je sais pas à quoi elles servent. Alors, du stockage. Du stockage, certainement. Si tu descends encore un peu, là. Là, on a le LC-12 juste avant qui doit être désaffecté aussi. Oui, mais regarde juste en dessous. Le 36 qui appartient à la merveilleuse compagnie Blue Origin. Pour le lanceur New Glenn, les amis. New Glenn to the Moon. Là, on a le pad AFS-46 qui doit. Il a l'air plutôt en bon état pour ne pas servir, je sais pas quoi il sert. Et après, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ah non, 46, c'est... c'était pour Astra. Oui, c'est que c'est Astra. C'est celui qui a vu, malheureusement, les amis, le 10 février dernier, l'échec d'Astra lors de la séparation du second étage. D'ailleurs, normalement, il appartient à Northrop, il a été prêté à Astra. Voilà. Et là, on a fait le tour des pads on actifs. A fait le tour du... de... On en a encore, malgré tout. Il y en a encore, mais ils sont tous inactifs. Ça, c'est les premiers pour les Juno. Ah, et là, on a la piste d'atterrissage, les amis, de la navette spatiale, si je me trompe pas. Oui, de là où partent également les avions Pegasus pour... Enfin, les avions Stargazer pour les lanceurs Pegasus. Ouais. Qui a la lanceur même aéroporté. De Virgin, qui est toujours. Qui est toujours opérationnel. Ils lancent très rarement. Ils ont lancé l'année dernière une seule fois. Qui, à la même manière de Virgin, largue une fusée... En plein vol. Vous voyez les amis que c'est très grand toute cette zone là. C'est pas uniquement les pads, évidemment, ces pads là sont mythiques, ils sont très grands. Mais c'est pas uniquement ces pads là qu'on a en Floride, on en a toute une flopée. Une flopée. Donc voilà, pour faire un petit rappel, et c'est important de rappeler ce genre de choses. Voilà, bon, on va se remettre sur ce qui nous intéresse. On a une petite nouvelle vue, je sais pas si la NASA ils ont pris l'antenne pour le flux en question ou pas. Toujours pas, c'est repoussé à 22h45. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien compris. J'ai pas revu vos questions, les amis. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat, du coup? C'est assez calme. Ah. SpaceX a beaucoup plus de moyens financiers aussi, non? Ouais, je pense. Après, la NASA a quand même de gros financements du Congrès. Hein. Même si c'est évidemment pas comparable avec l'époque Apollo, mais. Dis-moi. Dans l'oreillette que la préparation du lancement, enfin la préparation du. Comment dit, la préparation du levage a commencé. Ah, bonne nouvelle. Pour l'instant, pas avant 45. Bah oui, c'est sympa de faire ce petit genre de petit tour, et c'est clairement le genre de petit tour que j'aimerais bien faire en vrai. D'aller voir tous les pads comme ça. C'est vrai que c'était sympa. Ouais. Et c'est important de. De vous montrer qu'il n'y a pas que ces deux pads là, qu'il y a toute une flopée de pads, et en plus c'est pas les seuls pads américains, parce qu'on a aussi la zone de Californie, Virginie, effectivement, Texas aussi, mais Texas c'est ce que je cherchais, avec Blue Origin et SpaceX, donc c'est les principaux zones de lancement, principales zones de lancement. Il y a Mojave aussi, enfin Mojave c'est le désert de prononciation. Pour Virgin Orbit et Stratolaunch. Et Stratolaunch, l'avion Rock. Ouais, sinon, on a les. Comme tu l'as dit, Cap Canaveral, Vandenberg et Wallops.
Ouais, ça fait une bonne, très très un très bon groupe de pads. J'ai vu, il y a des, on voyait des employés là qui sont sur le pont supérieur, j'ai envie de dire. On n'est pas sur un bateau, mais sur l'un des niveaux supérieurs du VAB, qui inspectent peut-être avant de voir le lanceur être transféré. Ah bah avec plaisir Laurent, ce serait sympa pour aller à la Cité de l'Espace. Nous on aimerait bien y aller à Toulouse, ce serait cool. Ce serait bien cool, parce que j'ai vu des questions. Il y avait une question, je crois, sur un lanceur chinois. Ce matin, oui, il y a eu Lancement un son chinois de ce chinois. matin qui a été un succès. Vous avez toute la liste des lancements à venir et passer sur le site internet ainsi que sur le Discord. Je vais vous mettre les liens dans le chat, les amis. Voilà, comme Je ne ça, peux bien passer. plus d'excuses. plus d'excuses. Non, voilà, je vous mets le lien qui ramène vers les prochains lancements alimentés par Quentin, que vous entendez actuellement. Voilà, qui fournit un gros boulot, comme le reste de l'équipe, pour cette chaîne, pour le site qui est flambant neuf et que je trouve super. Hop. Et le Discord que je vous mets tous les liens qui vont bien pour être à la télé. Pour voir quand auront lieu les prochains tirs. Salut Adeline. La zone 51 pour les reptiliens. Les pas de tirs plus historiques sont ceux plus bas encore. Bah on a tout montré hein, normalement. Mais c'est ceux les plus bas, effectivement. Ouais, ceux qui sont comme les plus. on dit tout à l'heure. Pour tout ce qui était fusée de Juno, les premières Titans, les premières Atlas. C'est ça. Si nous irons sur Mars en 2030, je pense qu'un vaisseau inhabité ira avec du cargo, mais pas l'homme. Pour moi, avant 2030, on aura un cargo inhabité de SpaceX. Et au moins un Starship. Même si c'est pas plus, au moins un Starship, histoire de dire que. Mais les hommes, je dirais, pas avant, au moins, si on est très optimiste, 2036. J'ai déjà vu ce film juste plusieurs fois, je l'ai même. Ah, c'est cool, Elodie, c'est super cool ça. Ils en pensent quoi, tes élèves? Ça va et toi, Roger? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Et bah, je savais pas, Laurent. Je savais pas. En chantier, mon c'est Quentin. Combien de temps de roulage long? Très long. 6 et 12 heures. Ah, c'est clair, Justine. Ça suscite beaucoup de vocations pour les plus jeunes. Il fait beau sur. Franchement, j'aimerais tellement être sur place, Quentin. Ouais, tu m'étonnes. C'est du bon parce que Tu veux une bonne Noël? Dis-moi. 22h, enfin 23h. 23 h roulage? Minimum, pas avant 23h. Ouais, donc je peux changer l'overlay, c'est ça que tu veux me dire. À peu près. Ok, c'est parti. Et bah, let's go. Hop là. Je vois pas les questions, donc s'il y a une question qui pop, n'hésite pas à me la relayer. Hop. Pas de questions. Ok. Hop. J'ai dit 2036, pas 2035, parce que je sais pas, une intuition. L'intuition que ça aura Des fois lieu j'ai des cette intuitions comme année-là. ça. J'aime bien la précision. Ouais, pense à notre Benoît qu'on n'a pas ce soir. Bisous à lui. Il a dit 2036, pas 2046, mais tu l'as dit. La première photo du nouveau télescope est superbe.
Ouais, on l'a poussé terre, mais je crois que c'était un autre télescope qui le prenait en photo. Ouais. C'est plutôt ça. Le télescope Gaïa, si je ne me Ouais. trompe pas, c'est On celui-là, l'a tweeté de toute façon. qui lui aussi est au point L2, du coup, qui a eu l'occasion de prendre en photo James James Webb. Webb. Ouais. Même sur Mars, est-il vraiment faisable? Oui, Je vous en invite à soi, c'est voir aussi faisable. la vidéo de Francis Rocard hein, qu'on a faite l'an dernier, interview, qui est disponible sur la chaîne, qui est responsable des programmes, comment dire, responsable d'exploration du système solaire. Voilà, j'ai passé un appel sans faire exprès, je me suis trompé. Qui est responsable de l'exploration du système solaire pour le CNES, et qui pendant 1 heure et demie a répondu aux questions que Lucas lui posait, et c'est très très intéressant. Et moi je pense qu'il faudra vraiment une station type Hermès, un gros vaisseau en orbite Oui. martienne. Avec un Starship, on n'y arrivera pas avec un Starship seul. Enfin, c'est mon avis. C'est pas que je crois pas en SpaceX et Elon Musk, c'est juste il faut amener plusieurs maillons pour que tout se passe bien. Et en plus, il va falloir créer une gravité artificielle, amener suffisamment de nourriture, des combinaisons, de quoi construire un habitat, de quoi s'approvisionner en énergie alors que les panneaux solaires c'est compliqué, il n'y a pas de. On peut pas mettre. Faire tourner deux pales d'éoliennes. La géothermie c'est mort parce que la planète elle est entre guillemets morte. Le noyau est plus actif. Elle est toute Donc froide. elle est toute froide donc je sais pas comment ils vont faire pour. Ça va être la grande question, comment ils vont alimenter les systèmes d'un habitat ou d'une station au sol avec de l'énergie. Quelle énergie vont Ouais, les utiliser? panneaux solaires. Ouais, mais le problème c'est que les panneaux solaires, il en faut Avance. beaucoup et il y a du sable de Mars qui se dépose dessus, donc ça, à cause des tempêtes. Ouais. Oui. Après, les zones pour nettoyer les panneaux solaires. Ah, si tu peux répéter, Avant, avance. je t'ai pas bien entendu, Quentin, c'est un petit peu Non. bugué. La météo. Ah, j'ai dit si, s'il y a des hommes sur Mars, ils pourront nettoyer les panneaux solaires. Ouais, mais s'ils doivent le nettoyer tous les jours. Oui, bon. On peut expliquer ce qu'on regarde, Roger? Avancement, vérifie la météo. Roger, on Vous regarde pouvez répondre? un futur roulage. Tu vas répondre. On va regarder un futur roulage, les amis, un transfert du SLS, Space Launch System, le lanceur lourd de la NASA, qui amènera l'homme vers l'orbite lunaire à nouveau, dans le cadre du programme Artemis, et qui va être transféré donc du VAB, du gros bâtiment, vous voyez, le plus grand bâtiment à un étage du monde, Véhicule Assembly Building, vers son pas de tir, le 39B du Kennedy Space Center. Et je te laisse répondre quant à la question. Un centre spatial qui pose une question pas si bête que ça, parce qu'il dit avant lancement, vérifie la météo. Les ingénieurs n'ont pas peur que la météo change. Non, parce que le lancement dure entre 2 minutes 30 si on considère la sortie de l'atmosphère et 8 minutes si on considère la mise en orbite. Donc non, la météo ne risque pas de changer C'est ça, Wobrox, pendant c'est le type lancement. Hermès. Ouais, générateur atomique, mais bon. Ou des piles Ouais, nucléaires, puis la puis à combustible. combustible. Est-ce qu'on en aura assez pour la durée de la mission? C'est ça que je me demande aussi. Il est où le site? Quel site tu veux, Station Spatiale? Le site web, le site internet, où tu parles de là où ça se déroule, là, ce qu'on regarde. Je me suis posé la même question. Ah bah non, on peut pas respirer sur Mars, PFM, non. Ah ça, je savais pas, Gobrax. On sait, Fluch, on sait. C'est marqué en haut. Ouais. La NASA pourrait construire deux SLS grâce aux deux ports du hub, question très intéressante là de Space. Est-ce qu'on a la place pour mettre deux SLS là-dedans là? Techniquement, oui. Est-ce que on aurait les ressources pour donc déjà avoir deux SLS sous la main et avoir assez En d'employés pour travailler simultané, dessus ou non? wow, ouais. Après, On n'est pas dans le White Bell. Hein. Mais bon. en soi, la cadence de tir souhaitée est de une par an, à partir de 2024. Donc, c'est possible qu'on fasse ça justement pendant qu'une est en préparation, l'autre est prête.
juste stocker au moins. Mais ouais, si, ça serait possible, même si humainement ça serait compliqué. Je te mets le site Instant Spatial dans le chat. Sinon, il est en description. C'est quoi Artemis, une station habitée? Non, Artemis, c'est le nom du programme. Donc, c'est Apollo Again. C'est un nouveau. C'est l'après Apollo, c'est le deuxième programme lunaire américain. Et la station habitable autour de la Lune, c'est la LOPG pour Lunar Orbital Platform Gateway ou Gateway. Et tant qu'on parle de programme lunaire, on peut aussi parler du programme ILRS, ouais, qui est le programme Sino-Russe. Tout à fait. Qui, lui, par contre, veut se placer une base permanente sur la Lune, mais dans un temps beaucoup plus long, d'ici 2030-2035. Dans le VAB, on peut assembler jusqu'à 4 SLS en même temps, vache. Oui, mais il n'y a pas 4 pas de tir, ni 4 portes, ni 4 crawlers. Voilà. Ouais. Puis ça n'a aucun intérêt d'assembler 4 SLS d'un coup. Oui, Justine, tout à fait. Plus un temps de 1 an sur place, le temps que les planètes soient configurées pour effectuer ce temps de trajet qui est le plus court. Ce qui fait qu'une mission Terre-Mars impute... obligatoirement des missions de 2 ans, quoi. De 900... Non, pas 900 sols, mais... Enfin bref. 2 ans, voire 2 ans et demi, je crois. Je crois que c'est même 1 an et demi le temps de rester sur place, si je me trompe pas. Si Artemis, c'est la sœur jumelle d'Apollo. Samy. Ouais, on a vu Laurent, on en a parlé tout à l'heure. On l'a posté d'ailleurs sur les réseaux sociaux. La fille, non, il me semblait que c'était la sœur jumelle. C'est ce que dit Hugo Brax. Ouais. La fusée Ariane devient quoi? Bah, Ariane 5 est toujours opérationnelle, elle va être remplacée bientôt par Ariane 6, mais pas tout de suite. Et Ariane 6, c'est toujours prévu pour cette année, hein, Quentin. C'est ça. Ah, ils ont enlevé leur bandeau. Bien, ils ont enlevé leur bandeau qui était un peu chiant. Et d'ailleurs. Un transporteur 1 aura lieu, enfin transporteur 4 pardon, de SpaceX aura lieu le 1er avril. C'est un peu random. 1er avril, transporteur 4 à 18h24. Transporteur 4 qui est une mission de covoiturage, les amis. On voit qu'elle, la personne qui se balade devant un énorme objectif photo, c'est juste fou. On a un photographe bien averti là qui. Ah, on a un zoom là, sympa. De la caméra. Je suis content qu'on ait des cams comme ça fait plaisir. C'est ça, Justine. Alors, Artemis 2 a-t-elle la même version du SLS? Je crois que oui, Quentin, c'est toujours la bloc 1. Oui, c'est exact. Ah, on a un trailer de la NASA. Bon, c'est le trailer qu'on avait eu... qu'on a eu il y a quelques jours pour le rollout. En vue du rollout. Là, ils montrent toutes les images à l'intérieur du VAB. Les RS-25, les SRB. Le beau logo de l'ESA. C'est vrai qu'on voulait vraiment voir cette fusée là, on va enfin la voir en entière et dehors. Je vais mettre un peu de son parce que je crois qu'on avait du son là-dessus et je pense pas qu'on sera embêté niveau musique. Voilà, donc là ils expliquent comment ça se passait. On voit le pas 39B hein, vers lequel le SLS va être acheminé et le logo du programme Artemis de la NASA. Ah bah je crois qu'ils ont pris l'antenne, ça y est. On a une voix. Bloc 1B c'est à partir d'Artemis 4. Ouais. That right there is the world's most powerful rocket, NASA's Space Launch System, or SLS. And on top, the Orion. Bon, ils disent que c'est la plus puissante fusée. Bon, hein. Quand on s'arrête. Moi, ça serait puissant dans le cœur. Puis comme
Artemis 1 va décoller avant Starship, ça sera pendant un petit bout de temps la planète puissante du monde. Oui, en activité. En plus, ça mettrait une petite claque à SpaceX. Ah là, on a une vue, bon, dessous des images que je vous ai montrées tout à l'heure déjà, des simulations de vol. Orion, j'adore cette capsule par contre. Avec les panneaux solaires qui font beaucoup penser à se disposer sur la TV. Then Artemis 3 and future missions will land the first woman and person. Donc c'est à partir d'Artemis 3 hein, le retour de l'homme sur la lune, hein, c'est 50 ans. Pour l'instant. Et là on voit la Saturn 5, regardez. Les missions Apollo et Skylab. Oh, il y a du monde là, regardez. Hein. Oh, le logo de l'ESA parce qu'ils fournissent le module de service de la capsule Orion. L'ESM, European Service Module. C'est ce qui fournit toute la propulsion, l'électricité, l'alimentation des systèmes. Exactement. Ouais, JP, sans faire exprès tout à l'heure. On nous demande pourquoi le roulage a été retardé. De base, c'était minuit en plus, je crois. J'ai l'impression que ça bouge, hein. Les amis, est-ce qu'on peut... On assiste au début du roulage? Attendez, je vais vous confirmer ça, mais... Je sais qu'il faut que j'achète des lunettes. Regardez la taille, là on se rend compte de la taille vraiment, regardez. Par rapport au, à l'échelle des, avec les hommes à côté, le public. Et étant donné que je travaille à moitié à la NASA, je peux vous confirmer que ça bouge. Ça bouge là. Hein. Ok, parfait. Ça y est, ça applaudit au sol, les amis, on bouge le véhicule. Ah, on va avoir une parade, bon là je. Concrètement, c'est quoi, c'est l'hymne américain? Bon, je pense qu'ils vont pas me claim si je le laisse. Il sort, ça y est, c'est le ralenti. On voit que c'est très protocolaire, hein, aux États-Unis, très tradition. Même le drapeau américain, il est géant, les amis. Hein, sachez-le sur le web, il est gigantesque. Tout le monde dit ça roule, ça sort. Ça y est, les amis, ça y est. C'est roulé, ça a commencé à 23h finalement. Ce serait cool qu'on la voie entière là. On a le poids à vide, Quentin, du SLS? Je n'en ai aucune idée. Je t'ai posé une colle là. Le temps estimé de ralenti est de 11h pour l'instant. Rien que ça. Multinational ambition, the tireless work of more than 70,000 people across every state of our country and also different countries. Est-ce que c'est 17,000 personnes qui ont travaillé sur ce projet? C'est quand même fou. 17,000 personnes d'énormément d'entreprises différentes et de plein d'états différents. C'était la NASA, l'ESA, ULA. Il y a, je crois qu'il y a Airbus aussi, Airbus Defense and Space aussi. Boeing. Ouais. Lockheed Martin. Et Rocketdyne. Beaucoup. On a la barge, regarde, qui avait apporté, regardez, qui avait transporté l'étage central en provenance du centre spatial Stennis à bord de la barge Pegasus. Et après, ils ont tout assemblé. Hein.
and primed for flight. 85 tonnes à vide, ça m'a l'air peu. Il a dit combien, 35? Non, il a dit 85. Ah. Ça me paraît faible. Plus. Alors regardez, on voit le logo Airbus, tu vois, je t'en parlais sur le module de service européen. Et là, on voit les réservoirs en plus. And now the stage has been set. We are seeing Artemis take her place. Cette fusée-là, Kevin? Je crois que le bâtiment, il fait 120 mètres, non, le VAB, de haut. Je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais. Donc il était plus grand que les Saturn V, à l'avis. Encore pour l'accueillir dedans. Là, on voit tout le système de déluge qui a été testé, je crois, hein, sur le 39B. Tout a été testé. Ils ont fait des dizaines et des dizaines de sur lancement. Ah, l'allumage des Res 25, Stennis. Et Cerny aussi. Ils ont fait des tests de, d'implosion aussi, hein, enfin de, d'éclatement. Ouais. Ça, j'avais vu, c'était impressionnant. 85 tonnes, c'est la charge utile. Je crois que c'est moins que ça, on avait mis sur le site. Pourquoi c'est pas SpaceX qui s'occupe du lancement? Bah, SpaceX, ils sont là. Ils s'occupent de l'atterrisseur lunaire et pas de transporter les astronautes vers l'orbite lunaire. C'est un programme commun avec les agences, entreprises, et c'est en collaborant ensemble qu'on parvient bien ces objectifs. When of the launch of the new rocket, do you know? On May, Stephen, on May, in 1 month off. Là, on voit les astronautes de la NASA, d'ailleurs, certains vont participer à ce programme et embarquer à bord de cette fusée. Victor Glover, par exemple. Ouais, Victor Glover de Crew 1. Et ça avance, les amis, ça avance! T'imagines piloter un engin pareil, toi? Ouais. C'est incroyable. Quel permis il faut? De quoi? Je me demande quel permis il faut. Ouais, quel type de permis il faut? Type super lourd. Super lourd. C'est quoi comme métier? Je pilote un crawler. Rien que ça. Ah, il s'occupe du crawler, c'est un jeu de ce responsable. 165 mètres de haut le VAB, ah ouais, on pourrait même mettre un Starship. Je pense pas, mais bon. Sometimes it takes a while for the people to get to those platforms, so that held us up for a little bit, and then there was a piece of environmental control system ductwork that was in the way, that was moved, and then we lifted up to 18 inches over the mounts, and now we're crawling, and I think it was about 5:47 p.m. when gotcha. I got first word we were moving. Let's turn around and take a look at this. It is crawling. You can see that it's moved quite a bit. Yes. How do you feel, knowing that you're a part of this team that's making this happen? And we're returning to the moon soon. It's almost indescribable. C'est on la voit sortir, Quentin. I've waited a decade for this since we first started modifying this crawler. Plus rapide que quoi? We are ready. Que les 1 heure qui est premier. Bah, c'est clair. Of a long ride out to the pad. Tant mieux, j'ai envie de tenir. Salut, on prend. Impressive machine. It was built in the 60s. Yes, it was. Il explique que le crawler a été fabriqué dans les années 60, hein, il est bien gardé. Ils ont été bien rénovés. Ils ont été rénovés, mais à l'origine. We have lots of experience with this. We have lots of talented technicians who keep this thing going and maintained. And that's the reason this piece of equipment that's 57 years old. And we can see some of the video right here. I mean, this is the crawler that took out. We're talking about shuttle missions. Imaginez tout le poids de la structure à côté également. Every single mission. So le poids de quelle structure? Bah, la structure qu'on voit en rouge, la tour papier, oui, la tour de lancement. Rien que ça. All the shuttle missions, Constellation, and now SLS, everything that launched there rode on one of our two crawlers. Merci JP pour
pour ces éléments. Peut-être les ajouter, les proposer au site, parce que je sais pas si on avait mis le VAB ou on l'avait mis, mais peut-être pas toutes ces descriptions techniques sur le site. Je ne pense pas. Ça peut être intéressant pour compléter. Permis ultra poids lourd. Ah oui, il lève les graviers aussi au fur et à mesure. Bunch of requirements, but the biggest one was you have to be able to increase the weight you can carry. Sure. So the original design was 12 million pounds. So we did a lot of modifications to the roller bearings, to the trucks, to the brakes, to the our jacking equalization and leveling cylinders, everything so we can now lift 18 million pounds. That is a lot of weight. 50% increase over wow. the original design. Wow. And you guys did that, you made that happen. You know, I also read an interesting stat that the top of the crawler, the surface there, is the size of a baseball diamond. That is unbelievable, and the fact that somebody is driving something that size right now. So that comes from the bases on a Major League Baseball field. En Guyane, c'est pas le même type de crawler, c'est des gens qui tournent sur des rails. Et ils sont tirés par le camion. C'est moins long aussi, non? Oui. Puis même pour... Regarde-moi ça. Dans les gars, c'est l'inverse. C'est intéressant, pas encore fort. Il a détruit le game du permis de conduire, c'est clair. We need a lot of people to do that. Challenging, and a lot of people have many different jobs to make sure an operation like this goes according to plan. Can you talk to us about some other jobs? So, other than the driver, engineers that are monitoring all the systems in the control room, we have technicians, electrical technicians, mechanical technicians, diesel technicians, une bourde. C'est fini. C'est 4 milliards qui sont. Le gars a quand même la pression quand même. Hein. En soi, une fois qu'il est posé, il bouge plus. Il n'y a plus de raison qu'il bouge quoi. Non. Merci David, bonne soirée. Il y a vraiment de la marge pour mettre un Starship hein, facile. Quand tu vois le bien, Now the Artemis program is named after Artemis of Greek mythology. She was Apollo's twin sister and the goddess of the moon. Artemis 1 will build on the achievements of those who came before us and create a permanent presence on the moon. Je suis en train de me dire un truc. Est-ce que la journaliste elle est posée sur la plateforme de tir? Celle qu'on a vue là? Ouais. Non, elle est derrière sur l'échafaudage. Dommage. Imagine le plateau qui bouge. Vaut mieux qu'ils évitent hein, si... Là, on a vu l'ISS, on a vu Apollo Soyuz. Les avions X-15, je crois. Oui. Falcon 9. Falcon 9. ISS. Ouais. Osiris Rex. Qu'on avait couvert hein, dans le départ, on l'avait couvert. La chair. Oui. Ouais, elles sont belles les images. Without fail, every major program and mission NASA has invested in has led to technologies and capabilities that have shaped our culture. Ouais, t'as raison. The breakthroughs of the Artemis era will define our generation. T'as raison, JP. On va enlever le son. Bon, on voit Starship là. Ça va être quand même une sacrée année, hein, mes amis. Si tout se passe comme prévu, ça va être une sacrée année pour le spatial. Nous savons que rien ne se passe normalement dans l'espace. Ah, Stennis. Regardez les essais des 4RS-25, le SRB. Ah, ça, c'est Perseverance, ça. Oui. Qu'on avait couvert aussi sur la chaîne, il y a plus d'un an déjà.
Ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Ça avance bien là, quand même, je trouve. Ça avance bien. Bah là, on a On largement avait dépassé espacé l'heure. avec le Max-Q, c'était incroyable. Et là, on a vu toute l'équipe d'astronautes de la NASA sélectionnée pour Artemis. Juste ça. Bon. La Gateway, la station d'orbite lunaire. Les ingénieurs qui travaillent pour que ce programme soit une réussite. Ouais, ça va être incroyable, Chris. Justine, mais c'est des idées pas mal, je verrai comment on pourrait mettre ça en place. Oh, elle est Bon, bonne. peut-être en format d'épisode. Travail de VA là, c'était ouf. Le second étage qui s'empresse vers la Lune. Distance Terre-Mars. On voit tout le stacking, tout l'empilement du SLS qu'on voit sortir. Alors là, on voit les 13 000 personnes qui ont travaillé sur. Ah ouais? Non. Mais non. Je croyais qu'il y avait genre Imagine s'ils montraient les un 13 000 tableau avec toutes personnes. les balles. Toutes les photos rentreraient pas. Non, Une photo en serait vrai, égale à un pixel. ça pourrait être pas mal. Waouh, regardez ça, les amis! Oh là Vous là, n'allez pas le me dire que c'est logo pas la orbe plus du belle chose booster. que vous ayez vue de votre vie. Je dirais pas ça. Il y a des petites imperfections quand même. Je suis un peu chiant. Mais c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Ils auraient pu en changer les couleurs. C'est pas ma fusée préférée, mais elle dégage quelque chose. C'est vrai que la Terre 5 est plus humide et les couleurs. C'est un mastodonte quand même. Hein. C'est un mastodonte. Pas de soucis, bonne nuit, Space. Combien de temps de roulage entre 6 et 12 heures? 11 heures, il a dit quand même, je crois. Pour l'instant, on est plus sur 11 heures. Alexandre, il pose une question que laquelle t'as répondu, je crois, Quentin, de toute façon. Parce que le CS peut pas être exposé très longtemps non plus à l'air libre, non, enfin, l'air extérieur. Dans tous les cas, il reviendra au VAL. Parce que, de toute façon, je pense qu'il n'est pas complet. Sinon, il ne le ferait pas revenir. Et oui, comme dit, il ne va pas aller faire définitivement sur le coup de tir. Ouais, c'est un En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà un rollback qui est prévu. Il n'a pas de date encore. C'est déjà dans les plans, quoi. C'est déjà dans les plans. Dans les documents top secret. Top secret, pour lesquels tu as pu accéder. Secret défense de la NASA. Non, attends, je crois pas. Hein. Mais c'est pas capable d'aller sur Mars. Hein. Ah, en mode habité. Là, il peut envoyer des charges sur il peut Mars. Envoyer des charges utiles, mais pas avec une capsule. D'ailleurs, à la base. Un peu comme la Saturn 5 aussi, on pourrait croire que. Oui. Elle avait cette, pouvait remplacer cette fonction. À la base, la SLS est envisagée pour la mission Europa Clipper. Mais. Qui consiste à envoyer une sonde autour de Jupiter, enfin de Europa du coup, l'une de Jupiter,
Et cette mission a finalement été confiée à la Falcon Heavy, étant donné que construire une SLS pour ça serait beaucoup trop cher et long. Et pourtant, Europa est une destination qui demande énormément d'énergie, à tel point que les boosters de la Falcon Heavy ne pourront même pas être récupérés. Ils devraient être utilisés jusqu'au bout. Là, je te coupe, Quentin, ils montent tous les lancements du pad 39B. On avait Apollo 17, STS 116, je sais plus quel STS avant. Il y a eu beaucoup de lancements. Ils ont même pas montré Arrestant X. Arrestant X, qui était dans l'ancien projet lunaire Constellation, si je ne me trompe pas. Ancien programme. Exactement. Sous George W. Bush. Donc ça passe dans les mains d'Obama. Pour une activation qui, de toute façon, aurait été trop coûteuse. Étant donné qu'il aurait fallu deux lanceurs, on pourrait... RS5 et RS1X. Non, RS4 ou RS5 RS1X pour l'équipage et RS5 pour l'atterrisseur. Alors, vous allez me dire que maintenant, on utilise toujours deux lanceurs. Mais le deuxième lanceur, c'est Starship et c'est une entreprise privée, donc ça coûte moins cher au contribuable. C'est beaucoup moins cher. Disons que le Congrès n'a pas besoin de financer deux lanceurs. Quoi. Exactement. Et puis à la base, Orion devait aussi desservir l'ISS. Maintenant, on a le Crew Dragon et Starliner. Ouais. Et Soyuz. Et Soyuz. Et capsules. Peut-être la même chose. Il y a deux capsules, il y en aura une troisième bientôt. Je suis fan du bas du lanceur quand même. Alors moi c'est le haut. Enfin c'est la. Ah quoi que. Ouais, non. Les boosters latéraux sont magnifiques. Les boosters sont incroyables. Mais je trouve la coiffe est belle aussi. Avec les logos. Ah là on a une belle vue de loin. Là c'est beau là. Regardez-moi ça les amis, le roulage du SLS. Moi ça faisait longtemps que j'attendais ça. Ça y est, on va enfin avoir des choses intéressantes cette année. Space Launch System. Hâte que ça vole, hâte que ça vole clairement. Ça va faire un boucan monstre quand ça va partir. Ah puis c'est beau, c'est joli là avec le crawler. Et 65 qui sont privilégiés quand même au pont de la route là. Tout le personnel en fait, une partie du personnel. Un bloc 2 pour envoyer une capsule Orion habitée vers Mars. Je sais pas, ça Quentin, tu confies? Ah, c'est possible, oui. Mais le bloc 2, on est déjà dans les environs 2026-2030. Au-dessus, dans quel sens, Vincent? Parce qu'en termes de taille, il y en a 3 au-dessus. Again, I'm told nearly 10,000 people are out here, many of them Kennedy Space Center employees with their family and friends. Right now, they can see, again, all of SLS and Orion in its glory. It's just a beautiful sight. And for those out here today, it is a very lucky and blessed opportunity to get to see this outside of the VAB. Coming up, we're going to hear from Janet Petro. She's our Kennedy Space Center director, and after her, we'll have NASA Administrator Bill Nelson. But first, another special musical performance, this time Return to the Moon, an homage to Artemis performed by the University of Central Florida's Symphonic Brass and Percussion Band. Ça, c'est pas l'Américain. Steven, il dit que les oiseaux peuvent endommager la fusée. Lui, il a la référence de l'histoire de la shuttle. Yes, it's a link with the shuttle, Steven. Oui, en puissance, bien sûr que oui, bien sûr. Salut Al, merci d'être passé. Eh ben, moi, je pense que je vais suivre Al. C'est pas bien. Tu as le droit, ah, tu as le droit d'aller trop poser, tu as le droit d'aller trop poser. Merci patron. J'espère que quelqu'un aura pitié de toi et viendra te rejoindre entre temps. Ouais, peut-être. Peut-être, tout seul. peut-être. Ça m'a fait très plaisir de couvrir cette fusée. Ah bah moi aussi clairement. C'est vachement cool. Il y a un truc à
Est-ce que je couvre le lancement? Ah bah, bien sûr qu'on couvrira. Bien sûr, bien sûr. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tous, des bisous. À la prochaine. Salut Quentin, merci d'être passé. La bise. Bonne nuit à tous. La bise. Ciao, ciao. On est tout seul, les amis. On est tout seul à nouveau. Bon, je sais pas si je couvrirai tout, pour être honnête. On verra. Dès que je peux... Dès que je vois que c'est moins pertinent, je regarderai, je vous dirai. Oh, c'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup le bas, mais je suis un peu... Tu vois, il y a des petites imperfections au niveau des couleurs blanches, etc. Et le... L'adaptateur du second étage qui est pas vraiment orange, hein, qui est plutôt jaune voire beige, enfin voilà, c'est mon avis. Mais après, de loin, c'est jaune. Ouais, je pense, bon bah, on a dit, on va se prendre des bons petits claims. Change le volet du coup parce que Quentin n'est plus avec moi. Tac. Ah, c'est fini. Voilà, je suis en train de télécharger le merlet. Tac. Well, good evening, Kennedy Space Center. Ah, on a un discours. Thank you all for joining us for this historic event, and I think an emotional event for a lot of us out here today. I am so happy that so many joining us today with our workforce. Voilà, je précise ce que j'avais à préciser. Ouais, ça t'as images sur une scène. T'as bien de la chance. This year, Kennedy Space Center celebrates 60 years supporting America's space program. And as we're taking some time to reflect on the six decades of science and exploration, it really seems fitting that we look ahead, celebrate this milestone, our first step to returning to the moon. You know, every single vehicle that has carried humans beyond the bounds of low Earth orbit has undergone integration and testing in that vehicle assembly building, crawled down this roadway and launched right here from the Kennedy Space Center. Tonight, after years of meticulous planning, development, integration, testing, the space launch system mated with the Orion spacecraft will continue this proud tradition, leaving the VAE as you see in front of you to make its way to the pad for the very first time. And just as all eyes are on the SLS tonight as it makes its journey, in a few short weeks, all eyes are going to be on the sky as it rocks the space coast and takes its maiden flight around the moon and then comes back. You know, 60 years ago, Kennedy Space Center was established to meet the challenge of landing a man on the moon and returning him safely to Earth. Through Artemis, we will see the first woman and the first person of color on the lunar première femme de couleur à la surface lunaire. And implement the science necessary for a long-term human presence in deep space
and we will utilize this knowledge to prepare for future. Faut le préciser aussi ça. Today we honor that legacy for those who paved the way before us and as we blaze a new trail. Le bas est magnifique. Vraiment, le bas est magnifique. Je le répète. Of our nation and of this agency. It's now my pleasure to introduce you tonight to someone who has served in public office for over four decades. First in the state legislature, then as a U.S. congressman, then as a state treasurer. He was elected three times to the United States Senate and represents my home state of Florida for 18 years. And in 1986, he flew on the 24th flight of the Space Shuttle, where he served as a payload specialist on STS-61 aboard Space Shuttle Columbia. His passion and his commitment to the agency and its mission are helping NASA to continue to advance the frontiers of knowledge and exploration. So please help me and join in welcoming our NASA Administrator, Senator Bill Nelson. Je pense que j'ai un peu de retard à Bill Nelson, patron de la NASA. Je pense que j'ai un peu de retard. Je vais accélérer. The world's most powerful rocket ever, right here. Most powerful ever rocket. Bon. Let's hear it for the musicians at the University of Central Florida. Ah, j'avais du retard, effectivement. I want to give a shout out to the more than two dozen members of the Crawler Transporter team. They are transporting SLS out to the launch pad. Je sais pas, instant, je vais voir. The team is led by Bob Myers, who is at the wheel of the crawler. Across the nation are sacred sites that capture the spirit of America's character. And one of those places is right here, the Kennedy Space Center. At these launch pads, remarkable individuals achieve unthinkable things. And 60 years ago, an American pioneer propelled upwards to the heavens from Launch Complex 14. And that legendary explorer is John Glenn. That spacecraft, Friendship 7, orbited the Earth three times. And that was the day that America's space program went full throttle. It gave way to the Apollo generation. That generation not only landed the first humans on the moon, it provided the spark that fuels today's multi-billion dollar satellite industry. It encouraged young visionaries and kicked off a technology revolution. Quand Artemis 1 aura atteint l'orbite, elle sera bel et bien la fusée la plus puissante de l'histoire en attendant Starship. Ouais. And we are very privileged to have one of those Apollo astronauts with us, General Tom Stafford, Apollo 10. De loin, c'est quand même très joli comme ça. C'est quand même très très joli, on va pas se mentir. Today, a new generation. Not the Apollo. Bah, le roulage, il va se finir dans 11, dans vers 10h47 du matin, je pense. Le matin. 9h47. This generation will return astronauts to the moon, and this time, we will land the first woman and the first person of color on the surface to conduct groundbreaking science. NASA's Artemis program will pave the way for humanity's giant leap. Future missions to Mars. There's no doubt that we are in a golden era of human space exploration, discovery, and ingenuity in space. And it all begins with Artemis 1. The Space Launch System is the only rocket capable of sending humans into deep space. It's the most powerful rocket in the world. And during liftoff, it will produce 8.8 million pounds of thrust, propelling the Orion spacecraft about 240,000 miles to the moon. And Orion will venture farther than any spacecraft built for humans that has ever flown humans. It will stay in space longer than any spacecraft designed for astronauts that has ever done without docking to a space station.
C'est incroyable. Vraiment, je suis estomaqué. Orion will come home faster and hotter than any vehicle has before. And it wouldn't be possible without all of you here today. We are joined by thousands of members of the NASA family. It's because of you that we are here today. Our workforce has been a relentless spirit. We imagine, we build, we never stop pushing the envelope of what is possible. I often say that at NASA, the impossible is made possible. Artemis 1 will demonstrate NASA's commitment to and capacity to extend humanity's presence on the moon and beyond. But this mission is not just cementing NASA's leadership in space, it's strengthening America's small businesses. Non, ça fait pas une heure, ça fait 40 minutes. C'est très long. Of America's scientists, mathematicians, and technicians. Artemis 1 is possible because of the contributions from all 50 states. J'ai hâte de l'avoir sur son pad, quand même. The program is an economic engine for America. In 2019 alone, it generated $14 billion and supported 70,000 good-paying jobs across the country. But to lead in the 21st century, America must not go alone. We must accomplish our goals together. Artemis represents global ambitions and participation from 5 international partners. The European Space Agency provides the European service module. Qui fournit le SN. The powerhouse of the Orion spacecraft that provides Coco. Merci JP pour ton don de 5 euros. Gros cœur à lui dans le chat. Merci à toi. La fin du relais, je pense que ce serait vers 9h47, 10h moins le quart. Non, ah, Lauriane est encore sur le chat. Zohar and Helga, named by the Israel Space Agency and the German Aerospace Center, are 2 female mannequins. Their jobs are to provide data on radiation during the mission. The third passenger is a male mannequin whose name was decided by more than 300,000 people in a naming contest. And his name is Commander Moonikin Campos, honoring Arturo Campos, the late member of the NASA family. Arturo helped bring the crew of Apollo 13 safely back to Earth. And a surprise, Snoopy in his orange spacesuit will hitch a ride. We're also taking advantage of additional space on SLS to launch several CubeSats in cooperation with the Japan's Aerospace Exploration Agency and the Italian Space Agency. Ah, il parle de l'agence spatiale italienne. Humanity's drive to explore the cosmos is not bound by border. Discoveries strengthens diplomacy. This mission, this program, elle est repartie. Build a global alliance that explores. C'est pas la fusée qui va bien vite, c'est le crawler qui la transporte. And of course, Artemis 1 will be a major step, but our journey is far from over. This will be the first in a series of increasingly complex missions. In 2024, for the first time since Apollo 8, astronauts will return to the moon on Artemis 2. The astronauts will fly in lunar orbit, venturing farther into space than any humans have ever before. And these are not a series of isolated missions. Each will be a groundbreaking complement and component to build
the presence on and around the moon and eventually beyond. And none of this is easy. Nothing NASA dares to achieve ever is. But as we have shown, le SLS c'est 95 mètres de haut. NASA knows how to press forward. Lauriane. Artemis personifies why NASA needs continuity of purpose. Yes, Steven, exactly. It's emotional. But across many administrations. Mais Ariane, c'est parce que c'est plus près et c'est un autre véhicule, comme expliqué Quentin tout à l'heure. Et c'est pas le même poids non plus, ouais, tout à fait. Là, on a un lanceur super lourd quand même. Every single child around the world, I hope they see themselves in this new generation of explorers. NASA's history has become intertwined with the never-ending American story. The sky le VAB 160 mètres de haut, je crois. This is our opportunity to make limitless potential of every American. It's past time to bring down the barriers that limit opportunity in underserved and underrepresented communities. It's time to anchor fairness as a core in every component in every NASA mission. C'est 160 mètres de haut, le VAB. Should show every child that they can dream it. En mai, The Last Bot. If they can dream it, they can be it. Oh, qu'est-ce que c'est beau, le VAB. They will one day join the NASA family. As a technician or a mathematician, après, elle a beaucoup de tâches quand même. They'll walk on the moon, or be the pioneers who venture onward to Mars. This is what NASA does best. We unify, we discover, we inspire, and from this sacred and historical place, humanity will soon embark on a new era of exploration. Aboard this spacecraft will be a flash drive. It will hold the names of over a million individuals from around the world. That flash drive will contain more names. Le VAB sera, it will represent our stories, who we are. The child who imagines themselves soaring in the skies. The student who burns the midnight oil at the library so they can build a rocket and a spacecraft like this one. The NASA employee who gazes up at the moon every night, knowing that their work will soon return humankind to the lunar surface. And when this monster rocket lifts off, it will carry all of our greatest hopes in the heavens. Every single person who dreams of discoveries will see many more in our lifetime. Comment ça le 7 I want to thank all of you, all of these workers. Bah, je le trouve beau de loin, de près, et je trouve qu'il y a des imperfections. C'est un peu méchant, mais. Moi, je préfère le Starship en tout cas. And the Artemis. Mais Ariane 6 est un beau lanceur aussi. Ça va être un beau lanceur. God bless you. Même la New Glenn, elle va être belle, la New Glenn, le temps qu'elle arrive. Electron, j'aime beaucoup Electron, j'aime beaucoup la Falcon Heavy, j'aime beaucoup le Starship. On est reparti pour une petite session musicale. C'était Bill Nelson, administrateur de la NASA, qui a parlé longtemps quand même. Pourquoi prendre toutes ces années pour aller sur la Lune? Bah parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça représente des années de recherche, développement, de mise en œuvre, de tests, d'intégration, de production, etc., etc. Starship habité, ben j'en ai parlé dans mon récap sur Polaris. Voilà. Je sais pas si t'as eu l'occasion de le voir.
Ouais, mais je trouve tellement plus classe, Alexandre. Le SLS est plus dans son jus, mais Starship est plus futuriste, enfin plus futuriste, mais plus contemporain. Puis moi j'adore, enfin avec le bouclier thermique, tous ces moteurs, la puissance que ça dégage, la tour avec les bras et tout, enfin c'est le futur quoi. Des nouvelles du HLS, on en a donné il n'y a pas longtemps sur Twitter. Je vais trop dire ça, on avait donné des news sur Twitter récemment. Faut que je retrouve hein, parce que ça note. Oui, il y a eu des nouvelles informations le 12 mars dernier, il y a 5 jours. En fait, il y a déjà eu des sessions d'entraînement qui ont eu lieu pour les astronautes de la NASA, qui sont entraînés sur la future plateforme de descente entre le Starship et la surface lunaire. Et ils sont aussi entraînés... Ils sont entraînés grâce à des casques de VR, réalité virtuelle, notamment au processus dans le SAS. Et ils ont aussi montré des updates sur le HLS, il n'y aura plus de panneaux solaires sur son pourtour. Et il faudrait seulement 4 lancements de Starship ravitailleurs afin de ravitailler le HLS. Voilà, ce qui est beaucoup plus faible puisque Blue Origin annonce à l'époque pour 8 ravitaillements nécessaires. Et bah ça fait plaisir. Oh, la Victor Glover, Victor Glover, astronaute américain de NASA. How do you feel being here? Let's take a look right here. This rocket's almost out of view. It's on its way. It's going. That's what we came here for, though, and it is a great day. And you know, honestly, the most important thing that I can say is I'm just really happy for all the folks who worked hard to make this a reality, and I'm here to celebrate with them and also to celebrate them. It's a great day. When you found out that you were going to be here for a rollout, were you like, yes? I was going to be here for a rollout no matter what, even if I had to pay for my own ticket. But yeah, when I found out I get to do this, Glover qui a volé sur Crew Dragon pour la première mission commerciale de Crew Dragon, Crew 1. Entre novembre 2020 et mai 2020, si je ne me trompe pas, ouais, 2021. Ça va faire un an bientôt qu'il a revenu. I've seen a lot of PowerPoint slides and read a lot of briefings about this, but to see it all stacked on the mobile launcher, quelle nouvelle promotion, Justin? It just makes it so much more real. Oh, absolutely. And you know, you're again one of the lucky 18 astronauts were chosen for the Artemis team. How does it feel to be part of that team? Honestly, you know what? I've talked to folks a lot about this today, and when we make that call for Artemis 2, when we tell the crew that you're go for translunar injection, you know, we're saying, hey, everything is good. Go to the moon. Whatever position I'm in, whether it's at home on my couch, whether I'm on the Houston side of that call, or if I'm in space on that side of the call, it doesn't matter. You know, to be a little part of this and to get the help in any way is really truly an honor. And so the whole Artemis team and really the entire. Des nouvelles de la Chine, bah, ils ont eu un lancement concluant ce matin. You know, honored to be able to help out and make this hardware and software a reality. So. I'm excited for whoever gets to do it. Du Longue Marche 4C. Ils avaient lancé Longue Marche 4C ce matin pour Laogan 34. Excited, are you also anxious? I mean, the moon is a lot farther than the ISS, and I know you've been to the ISS. Ah, on va avoir Pierre qui va nous rejoindre, mais rapidement. Sur le live. Moon's 240,000 miles away, and so it's interesting. I like to say it's not just 1,000 times farther, but it's probably 1,000 times more complicated than the mission. So many more things have to go right, and it's also we add Artemis 3, and we're going to the surface now. You have to get from the surface of the moon back to lunar orbit, which is like the equivalent of launching a low Earth orbit mission. From Earth, so very complicated mission, and so we have a lot of work ahead of us. But you know we're going to get it done, and it'll be all starting with this one, with Artemis 1. What do you think of the fact everything that you just described seems, no pun intended, out of this world, and the fact that thousands of people from across the globe came together to make this today a reality, and that we're on the path to the moon, to Mars. Bah, je sais pas où ils en sont les nouveaux. That is a really big part. Pour mettre. That's what's special. Someone asked me earlier talking about being part of the Artemis. Pierre, il va peut-être venir, Pierre. How does it feel, you know, to watch your rocket? And I said, well, look, correction. I mean, this is our rocket. It's humanity's rocket.
when those four RS-25s and those two solids light, I hope the whole world is watching. And I hope a lot of kids decide to study science and math because of it. And that's really what it's about, inspiring kids to go out and be their best selves. And so I am excited because this is a great step for humanity. We call things that humans come together to do, you know, when we put aside our differences and we accomplish great things, mais les photos, we call them moonshots. Par contre, photos, you know, but it's been a long time since we've actually made a moonshot, so our generation now has a chance to have our own actual moonshots. Yeah, hearing you talk about it just makes me so excited. You know, just your passion for this program and what's to come. Thank you so much for sharing that with me and the rest of everyone watching today. Thank you, Victor. My pleasure. It's great to be here. C'était quelque chose, right, perfect. And that's going to wrap up our live coverage of the first ever rollout of NASA's brand new moon rocket. You know, we're an hour into this. We still have 10 more to go until the crawler reaches pad 39. Salut Pierre. It will stay on the pad until the wet dress. Comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, excité là par ce qu'on voit. Ton avis sur sur cette fusée, cette nouvelle fusée lunaire? Incroyable. Ah, pas de mots là. De loin c'est beau. De près je suis un peu moins fan. Mais de près, de loin c'est beau. Ouais. La mousse c'est un petit peu un peu d'imperfection. Voilà. Mais au niveau de la partie c'est pas dépassant quoi. Les amis, je vous présente Pierre, modérateur sur la chaîne. Voilà. Bonsoir à tous. Je ne peux pas rester très longtemps, il est tard quand même. Ah, mais ça fait plaisir d'avoir eu plusieurs personnes sur le live, c'est cool. Oui, il y avait Quentin qui s'avait. Il y a eu Jérôme, Lauriane, Quentin, toi maintenant. Ouais. Peut-être que Lucas va me rejoindre après. Non, je sais pas. Oh, non, c'est vraiment beau. Franchement, on assiste à un beau spectacle. We are on our way to the launch pad, then the moon. Par contre, j'ai vu des photos en photo, ça rend super bien. We are capable. We are Artemis. Good night. Ah, ils disent bonne nuit. Est-ce que ce serait la coupure du flux? Oula, par contre, je vais me choper un claim là si je laisse ça. Est-ce que ça sent la fin du flux NASA, les amis? J'ai coupé la musique. D'accord que les aides n'ont aucun rapport avec l'Union Européenne. Si, il me semble que si, justement. Enfin, les aides des États membres qui sont pas dans l'UE, mais je sais pas si elle est rattachée à l'UE pour tout ce qui est financement, etc. Tout à fait, j'utilise un crawler, mais qui a posé la question? Ah bah oui, instance spatiale, tout simplement. Ah, il y a Greg, c'est le Greg qu'on connaît. Oui, c'est bah, bienvenue Greg, bienvenue sur ce stream. Ça fait plaisir. Par contre, j'avais l'impression que c'était la fin du live NASA là. Ah, je crois pas en fait. Tant mieux. Alors, Yann qui est toujours là. Tous les pays de l'Union Européenne ne financent pas les A. Voilà. Ah là, on avait couvert ces tests-là de splashdown d'Orion, d'amérissage. Pour vous dire qu'ils ont vraiment tout testé. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont faire là, parce que j'avais l'impression que c'était une fin de flux, mais en même temps, on laisse l'image. À la fin des commentaires en anglais. Donc ça veut dire que ça va continuer, c'est ça? Est-ce qu'il y a encore de la musique sur leur live ou pas? Je sais pas si tu écoutes, Pierre. Ouais, il y a toujours de la musique. Ouais, on va éviter. Ça, regardez ça, c'est les amis, les tests de la tour de sauvetage. Donc, les moteurs qui contrôlent l'attitude, hein, pas l'altitude, mais l'attitude, dont vous avez parlé sur Instagram. Là, c'est les essais d'atterrissage de la capsule, d'émerrissage avec les parachutes et la récupération de la capsule en mer. Merci Greg, toi aussi. Il y a des tests qu'on n'avait pas vus quand même auparavant, ça fait plaisir de les voir.
Tu veux que le SLS une récup de booster et du réservoir central de la navette. C'est un peu plus complexe que ça, c'est un réservoir qui est plus haut, plus fin, et des CRB avec un segment en plus, donc c'est pas vraiment de la récup. Hein. C'est que les moteurs qui ont été améliorés pour passer du 25D au RS25E. Mais il n'y a pas de réutilisation là. C'est pas vraiment nouveau, c'est pas novateur. On utilise quelque chose qui a fait ses preuves dans le passé, mais on l'améliore au goût du jour, quoi. C'était incroyable quand ils ont mis le. J'avais bien raison, c'est arrivé par l'avant. Quentin me disait que non, c'est arrivé par la porte avant du VAB. Le premier étage, quoi. Incroyable comment ils ont levé ça. Oui, que chaque partie qui font que cette fusée est dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Chaque partie assemblée. Merci à ceux qui sont arrivés sur le Discord, au fait, hein, j'avais pas dit, mais bienvenue aux trois nouveaux. On a toujours un concert là. Un peu pénible, mais tout une image en grand là, du SLS s'il vous plaît. C'est souvent comme ça, la NASA. C'est très protocolaire. Ouais. Donc là, vous voyez le SLS sans le crawler en dessous, comment ça va se dérouler. Là, on voit le crawler qui repart, justement, c'est ce qui devrait se passer après le roulage. Non, elle n'est pas plus haute que la Saturn V, elle est plus petite de 15 mètres, cette fusée. DBO, je vois pas, je connais DDO, mais DBO, c'est en spatial. Ah bah super, NASA TV a switch sur une vue de la Terre. On n'a plus d'image du SLS, comme ça c'est réglé, Quentin. Pierre, pardon. Ouais, bah, Pierre, on n'a plus d'image. Est-ce que ça sera la fin du flux, du coup? Ah oui, ils ont coupé. Donc plus d'image. Plus d'image, les amis, ça veut dire peut-être potentielle fin de stream. On va se retrouver de toute façon les amis demain pour Soyuz MS-21 à partir de 16h, le décollage du prochain équipage qui va rejoindre la station spatiale internationale. Plus puissante, ouais. Plus puissante, comme il disait, comme expliquait Bill Nelson, administrateur de la NASA. Bon, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus du coup. En vrai, ça m'évite de passer toute une nuit, Pierre. Il faut pouvoir dormir. Ouais, bah, c'était un live super cool en tout cas. Moi, je suis un peu déçu de pas tout vous montrer, mais de toute façon, on tweetera demain. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, le site. Dans la description, tout est en description, les amis. On assiste à cette belle EVA, là. Et la boutique, évidemment. Le site, la boutique, bien sûr, tous nos réseaux, je vous mets tout... Je vais être sûr que ça mette bien la bonne commande, donc j'en mets 4 différentes. Tous les réseaux vont être... voilà, il y a les réseaux que le bot vous a mis, j'ai du mal à cette heure-ci. Non, c'était très très cool. Je vais switch, je vais me remettre sur la Minia. Voilà, avec ce beau SLS. C'était très 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 cool. On vous commentera ça demain, la fin du roulage. Et certainement le fait que le SLS sera bien arrivé à bon port au pad LC39B, au pad que vous voyez juste au-dessus de ma tête. J'espère que ça vous a plu. Merci à toi Pierre, t'as pas été là très longtemps, mais t'auras été là pour la conclusion de ce live, donc c'est cool. On remercie Jérôme, Lauriane et Quentin d'être passés, c'était vachement cool. On fait aussi la bise au reste de l'équipe qui n'ont pas pu être présents, on les embrasse. Ceux qui m'ont aidé comme Eto à meubler en début de live, c'était bien cool. Modéré,
Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit, une excellente nuit. On se retrouve demain pour un prochain live 16h sur la chaîne Soyuz MS21. Ne ratez pas ça. Et puis, sur ce, je vous souhaite une très très bonne nuit. Dormez bien, reposez-vous bien. Bon courage à ceux qui bossent demain ou qui étudient. Et à demain, les amis. C'était l'Expo Vulgaspace avec Pierre. Ciao, les amis.